Chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui vous prend pas pour des cons. Avec nous ce soir, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Debout, Julie Delpy, Joey Starr, Gérard Louvain, Gérard Vicky, le reporter de match à Bagdad, l'affaire qui a secoué le monde de l'émission. Harry et Christine, c'est-à-dire Blondie. Plus tout le monde en rêve avec Kamel et le blind test de Cut Killer. Sans oublier l'inégalable Laurent Baffy. Bonsoir Laurent. Voilà. Super entrée, on est au top. C'est quoi ce plateau ce soir? T'as plus personne là? Ben non. Plus personne venir à l'émission, donc on a. On a Johnny Hallyday. Alors, Laurent, des dizaines de mails concernant tes des travaux. Des dizaines de milliers de mails. Et tous sont résumés par celui de Seb de Montpellier qui dit: Baffy a raison, le vert c'est pas terrible, mais il faudra lui dire que le violet c'est à chier. Seb, c'est bien. C'est pas très beau, hein? Non, c'est pas très beau, mais bon, à côté d'un truc immonde, ça passe. Tu as ton appareil pour les SMS? Oui. Ce que j'appelle bêtement les emails depuis deux semaines, en fait, c'est des SMS, personne ne me l'a dit. J'ai des cartes de bons clients, j'ai des fiches, j'ai mes lunettes pour revoir, parce que maintenant je suis un peu presbyte, et voilà, j'ai des fiches des invités, j'ai un crayon pour prendre des notes. Je suis au top. je pense que je suis au top. Je pense pas que tu puisses faire mieux, donc. Maintenant, allumez le feu, allumez le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumez le feu. Voici Johnny Hallyday. Je vous demande de vous arrêter. Alors, tout de suite un message pour dire c'est pas le vrai. Alors ça le fait quand même quand on va arriver, Johnny Hallyday. On a beau avoir 20 ans d'interview, avoir reçu la terre entière, il n'y a pas à dire, quand tu arrives sur le plateau, ça fait le choc quand même. Pour moi aussi. Ah ouais? Oh non. Dis-moi, quand tu arrives au Stade de France comme ça et qu'il y a, je crois, 50 000 personnes, t'as le trac ou tu l'as plus? C'est pas le trac, c'est une espèce de nervosité qui vous ronge un petit peu. Tant qu'on arrive, ça passe quand on commence à chanter. C'est... Un message pour nous demander d'où viens-tu, Johnny? En fait, Johnny, on se connaît pas très bien. En fait, moi, je suis pas trop l'ami des stars. C'est vrai, je fréquente pas beaucoup les. Et lui, il fréquente pas les boîtes que tu fréquentes également. Je veux dire. Alors, on s'est rencontrés. Je sais pas si tu te souviens, une fois, il y a 20 ans, pour une interview dans Rock et Folk qui s'appelait Descente de police. Tu te souviens de ça? Oui, bien sûr. Oui. On m'a demandé si un jour tu perdais ses cheveux, est-ce que tu ferais des implants? Ouais. Et j'avais répondu, non, je ferais pas comme mon ami
Revaux, je ne mettrai pas les poils du cul sur la tête. Voilà. Et puis après, on s'est croisés comme ça dans des fêtes à Saint-Tropez, mais c'est vrai, on se connaît pas très très bien. Et notre première vraie rencontre, en fait, c'était hier quand je suis allé visiter la boîte de nuit que tu ouvres au pied de la tour Montparnasse. Hein. Alors j'ai trouvé ça génial hier parce que tu es arrivé avec, je crois, une demi-heure de retard et tu t'es excusé trois fois. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bah oui, c'est normal, on avait rendez-vous à 3h et je suis arrivé à 3h30. Ouais. C'est ça une star alors? J'aime pas arriver en retard. Tu sais, avant, j'arrivais toujours en retard. Pas une demi-heure en retard, mais 2 heures en retard. Ouais. Je confondais l'heure du rendez-vous avec l'heure de départ de chez moi. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à faire du cinéma, le premier jour où je suis arrivé en retard, j'avais toute l'équipe qui était là en stand-by, qui attendait. Quand je suis arrivé, ils m'ont regardé, ils m'ont rien dit. Et je me suis senti tellement mal que je suis toujours arrivé en avance après. Des trucs sur les pompes, ça gêne pas à l'image? Quoi? Il y a des taches, il a dû marcher dans la flotte, bouge pas. Ici, on cire vraiment les pompes. Ah, ouais, ouais. Dis-moi, tu m'as dit hier que tu regardais souvent l'émission Tout le monde en parle le samedi soir sur ton grand plasma géant, là. Je regarde souvent avec Mathilde Seigné. Ouais. Tu penses quoi du verre du plateau, là? Ça donne mauvaise mine. Ah. Le verre donne mauvaise mine en général. Non, mais il a raison. Ouais, c'est vrai, ouais. Et il en a bu des verres. Je crois qu'il va falloir en sortir de ça. Il n'est pas mûr. Dis-moi, Johnny, t'as un bon look, là, ça va, en bonne forme? Ça va, ouais. Hein? T'es revenu en début de semaine d'une cure, Laurent, ça peut t'intéresser, de biontologie. Ah oui, c'est debout à 6 heures avec un lavement. Non, non. Non, c'est une science qui s'intéresse au vieillissement psychophysique, hein, c'est ça. C'est un peu de la médecine chinoise. Ouais. Et on voit un petit peu tout ce qui ne va pas dans ton corps, que ce soit le foie, les intestins, les reins, les poumons. Enfin. Les abats, quoi. Encore un groupe célèbre qu'on salue au passage. Non, mais ça t'a bien réussi, dis donc, non? Non, oui, je suis en pleine forme. Ouais. Ouais. Fais gaffe quand même, parce que c'est un truc pour rajeunir. Donc avec Laetitia, un jour... C'est qui, Laetitia? Laetitia. Laetitia Hallyday. Tu connais pas? Sa femme? Oui, c'est ça. J'avais Nati, moi. Qui fait mes fiches? Je vais corriger, c'est pas grave. Elle a E dans l'A, hein, c'est chiant à écrire en plus. C'est ça, Laurent, c'est pas compliqué. C'est Gainsbourg qui m'a appris. L-A-E dans l'A, T-I-T-I-A. Bien, David, ça va, Johnny, ouais. David, c'est qui ça encore? David Hallyday, il vient souvent ici. Mais j'avais Anthony, moi. Laura, ça va? Laura, bah, j'avais Mazarine, merci. Elle est en train de tourner en ce moment avec un nouveau film. Ça s'est bien passé le premier là. Hein. Très bien. Et puis là, gros succès. Hein. Puis là, elle est très heureuse parce qu'elle tourne un deuxième film qui va. Enfin, j'espère qu'il sera bien. Ouais. Alors maintenant, je vais me faire plaisir. Hein. Je vais me faire ma music story Johnny Hallyday, c'est-à-dire qu'il y en a énormément de titres, c'est très compliqué, j'ai fait un effort surhumain. J'en ai choisi 10, c'est mes 10 préférés. Voilà, en avant, Didier. Parce que je suis né dans la vie, oh oui, je suis né dans la vie, dans la vie. Oh ouais, maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. D'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Parce que je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue. Donc... Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer deviens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. On a tous quelque chose en nous de Tennessee.
cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ces mots à Laura. Y a tant d'hommes que je ne suis pas. Y a tant de phrases qu'on dit que je ne te dirai pas. Allumez le feu. Génial idée. T'en connaissais pas, toi? Non. Pourtant, c'est assez connu. Ce qui m'inquiète, moi, surtout, c'est qu'il va falloir que je trouve encore des bonnes chansons pour le prochain album. Ah ouais. Et puis maintenant, il y a ça. Je n'ai jamais pleuré. Si j'avais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer. J'avais commencé, je n'aurais jamais cessé. Je n'ai jamais pleuré. Si j'avais commencé, j'aurais pas pu m'arrêter de pleurer, de pleurer. Extrait du double album À la vie à la mort, Je n'ai jamais pleuré, chanson de Marc Lavoine, il se démerde. Marc Lavoine et Marc Esposito. Ah ouais, c'est bien, et Marc Esposito, ouais. Qui a fait un film tellement génial, là. Qui a très bien marché, en plus. Ouais. Bah, le tien va marcher aussi, tu vas voir. Espérons. Inch'Allah, et Nadenomok. Alors maintenant, Johnny, comme c'est la première fois que je te reçois, je vais te faire une interview première fois. Alors, Johnny, ton premier nom, tout le monde croit que c'est Smet. En fait, c'est Claire, comme Julien. C'est le nom de ta mère, parce que ton père était assez volage. Il a... Attends, moi, j'ai Claude Moine. Non. Il y a des stagiaires qui vont se faire virer, je te le dis. Non, c'est vrai, ton père était quelqu'un d'assez volage. Pas tellement fait pour la... Pas tellement fait pour la vie de famille, hein. Et quelques jours après ta naissance, il a vendu les meubles, il a vendu même la layette. 10 jours après la naissance. Il grandit vite, hein. Et 8 mois plus tard, il a quitté le domicile conjugal. Et donc, ta mère s'est retrouvée comme ça, toute seule. Et elle l'a retrouvée un an après. Et elle l'a obligée à l'épouser. Mais ton vrai nom, ton vrai premier nom, c'est Claire. Ta mère, c'était Huguette Claire. Jusqu'au mariage, oui. Jusqu'au mariage de ma mère, c'était... Claire, ouais, ouais. Qui était mannequin, ouais, chez Fat. Oui. Une très jolie femme. Et qui vit toujours. Et qui vit toujours. Ouais. Mais elle doit être fière, non, quand même. Elle est... Je crois qu'elle est fière. T'as bien réussi, quand même, quoi qu'on en dise. C'est vrai que c'est un peu un voyou, mais bon... Être la maman de Johnny, elle doit être fière. Bah, hein. Ouais. Bon, je vais donner du tracas. Hein. Oui, mais bon. Fait faire bien du souci. Alors, ce père, Léon Smet, donc, Johnny, vous le reverrez 20 ans plus tard. Vous avez 21 ans, vous faites votre service militaire en Allemagne. Et un jour, il y a un mec qui vous dit, il faut aller à l'entrée de la caserne. Donc, vous y allez, c'est un ordre, vous y allez. Et à ce moment-là, vous voyez un type qui se jette sur vous en disant « Johnny, mon fils », et en vous mettant un ours en peluche dans les bras. Et c'était votre père. Ouais. Et quelques années plus tard, vous apprendrez qu'en fait, c'était un coup qu'il avait monté avec les paparazzi. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est le passé. Ouais. Et je préfère pas trop parler de ça, quoi. Parce ouais. Mais vous l'avez vachement aidé après, quand même, votre père, non? Oui, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas toujours facile, parce que j'avais pris un appartement, et puis je reçois des coups de téléphone dans la nuit, comme quoi il avait mis le feu dans l'appartement. Et... C'est de famille? Oui, enfin, non. Oui, ben... Excuse-moi. Je... Non, mais c'est vrai, ouais. Non, j'ai essayé beaucoup de choses, et puis à un moment donné, j'ai baissé les bras, quoi. Un message pour dire que tu me piques mes vannes, et que c'est toi qui fair play. Non, c'est vrai, quand vous lui achetez des costumes Cerruti, il allait les revendre. Quand vous lui louiez un appartement, il mettait le feu, effectivement. Donc c'était assez désespérant, finalement. Il préférait rester comme il était. Alors, au bout d'un moment, j'ai baissé les bras, et puis j'ai laissé faire ce qu'il voulait avoir. Ouais.
Reggiani vous a parlé de lui une fois. Un jour, je rencontre Reggiani qui me dit, tu sais, je sais que tu as eu une mauvaise impression de ton père, mais moi, j'allais prendre des cours tous les week-ends à Bruxelles chez lui. C'était un professeur d'art dramatique extraordinaire. Ouais. Et puis un jour, vous allez à l'enterrement de ce père un petit peu inconnu, d'une certaine façon, à Schaerbeek, en Belgique. Et c'est vous retrouvez... vrai, ce qui m'a attristé, ce qui m'a bon, d'abord étonné, mais surtout attristé, c'est que j'étais tout seul. Ouais. Il n'y avait personne. Ouais. C'est bien la première fois où tu étais tout seul. Oui, mais c'était pas gay. Ouais. Alors cette histoire vous a un petit peu déboussolé, hein, d'une certaine façon. Cette envie que vous avez eue après de créer une famille et de ne pas y arriver, c'est peut-être dû à ça, finalement, sans faire de la psychanalyse à deux balles. C'est peut-être ça l'histoire, non? Il faut d'abord, avant de créer une famille, il faut tomber sur la bonne personne. Ouais. J'étais jamais tombé sur la bonne personne. Et cette fois-ci, je crois que je suis bien tombé. Ouais, ça a l'air. J'ai tombé sur une femme extraordinaire, ouais, avec qui je suis très heureux. Et ben, il était temps, hein, parce que... Alors, vous avez été élevé par votre tante, Hélène Marr, et votre première scène, c'est à 4 ans. Vous vous en souvenez de ça? En 47, à Londres? Non. Dans une pièce qui s'appelle Caligula, de Camus. Vous faites le rôle d'un petit négrillon. Je ne me rappelle pas du tout. Premier souvenir, vous vous souvenez, c'est à Londres. Vous coincez le doigt dans un rail d'escalator. Ouais. Vous vous souvenez de ça? Ouais, j'avais le doigt à être complètement escalé. Ouais. Oui. Première guitare, quel âge? Je devais avoir 12 ans. Ouais. Vous étiez à Rome avec vos cousins, Desta et Ellie, et vous avez à ce moment-là rencontré un guitariste de flamenco. Oui, il faisait une tournée théâtrale à cette époque-là où il y avait comme ça des tas de numéros de musicals différents. Il y avait des gitans, il y avait des acrobates, bon. Et il y avait dans la troupe des gitans, il y avait un guitariste de flamenco qui m'a appris à jouer un peu de guitare et la rota. La rota, plein de choses, oui. Et ça m'a vraiment plu. Et ensuite, on m'a acheté une guitare, donc avec des cordes. Voilà. À cordes classiques, à cordes de nylon. Premier rôle aussi. Quand le retour au flamenco, le... Johnny, bientôt. Bientôt. Premier rôle au cinéma, 1954, vous vous souvenez, Diabolique. Il y avait une petite annonce dans France Soir, et comme il n'y avait pas de blé à la maison, votre tante vous avait emmené là-bas. J'avais passé un casting, j'avais pris, oui, dans la classe d'enfants, mais c'était la figuration, c'était pas un rôle. Ouais. J'avais deux phrases à dire qui a été coupées, donc ça devait pas être très bon, à mon avis. Mais on vous voit dans le film, vous lavez les dents, vous savez ça. Oui, oui, je sais. Ouais. Alors, premier cachet de Johnny Hallyday, en 1955, à Hanovre. Premier cachet, c'est un Coca-Cola. Vous aviez chanté David Croquette sur scène. Tu te souviens de cette chanson, David Croquette? David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. J'ai chanté en duo avec Johnny. j'ai fait mon premier duo avec Johnny Hallyday. C'était fin 2003. Ouais. Mais vous êtes monté très très tôt sur les planches, là. Enfin, c'est ce qu'on découvre. Mais c'est normal, parce que j'ai été élevé par une famille d'artistes qui voyageait beaucoup, qui faisait beaucoup de musicals, beaucoup de cabarets. Donc... je voyais pas, très honnêtement, je me voyais pas comptable plus tard, je me voyais plutôt artiste. Bon. Mais ça doit quand même perturber, ça, d'être sur scène aussi tôt, non? Non, c'est, comme j'en ai fait mon métier, c'est plutôt une chance, parce que j'ai eu le temps d'apprendre avant d'être connu. Ouais. Maintenant, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on lance des gens, on essaye de leur apprendre à danser, à chanter en 4 mois, et on les lance comme des stars. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas eu la, comment dire, le... La formation. Merci Janine. Merci beaucoup. Hein. Merci ma fille. Janine de Strasbourg. Pour aller sur une scène et d'être lancé comme star, il faut apprendre son métier avant. Et on leur laisse pas le temps d'apprendre. Alors effectivement, quand on les voit sur scène la première fois, les gens peuvent être peut-être déçus. Ce n'est pas que le fait de chanter qui est important, c'est le fait de savoir aller et sortir d'une scène et de savoir bouger sur une scène. En fait, t'es un forain, quoi. Je suis un, oui, en quelque sorte, oui. C'est pas péjoratif, hein. Non, non, bah, pas du tout, j'adore les forains, moi. C'est un forain. Alors, première bagarre, c'était avec la bande de la Trinité, non, j'imagine. Il y avait Dutron, il y avait Long Chris, il y avait Eddie Mitchell. C'est vrai que vous preniez des dérouillés par les mecs de la bande du Sacré-Cœur ou la bande de la Bastille? Ouais, ils étaient plus nombreux que nous. Ouais. Vous étiez combien, vous? Oh, nous, on était une vingtaine. Ouais. Et j'étais 200. J'étais plié, oui. Votre première petite amie, vous en souvenez? Ma première petite amie... Moi, j'ai dit Rivers, mais maintenant, je me méfie à mort. Hein. On va voir s'il s'en souvient. Elle vous regarde, là, elle est là.
Ma première petite amie, c'est Claude Pécha. Bravo! Ah! Elle habitait à Bécon-les-Bruyères. Voilà. Et Johnny l'a ramenée en train, puisqu'à l'époque, vous n'aviez pas encore de voiture. Alors, votre première idole, c'est Brassens. C'est peut-être vrai, c'était le père Brassens. Que vous auriez voulu avoir, Brassens, avec les grosses moustaches, la veste en velours. Il était rassurant, je trouve. Ouais. Il était rassurant. Vous parlez de Brel aussi, c'était une de vos premières idoles, et vous dites, s'il avait fait du rock, il nous aurait tous enterrés. C'est vrai, parce qu'il chante avec sa poésie, il l'interprétait sur scène, avec l'énergie et le désespoir d'un rocker. Enfin, ouais, je ne connais pas d'autres chanteurs que Brel, ouais, qui transpirait autant. Ouais, et qui vomissait avant de rentrer sur scène. Oh non, mais tous les rockers ne vomissent pas avant. Hein. Ouais. Ils vomissent après. Mais qui transpirait, qui zonnait, ouais, qui se transpirait autant qu'un chanteur, ouais, de rock, ouais, c'est, ouais, vrai. Vous trouvez ça bien, là, qu'on réédite des choses qu'ils ne voulaient pas voir éditées Écoutez, tout le monde est évidemment curieux d'entendre, mmh, ça, mais par rapport à sa mémoire, je ne trouve pas ça très bien. Alors. Dis-moi, il y a des trucs à toi comme ça qui ont été faits que personne n'a entendu Il doit y avoir quelques-unes. Ouais. Réallumer le feu, je ne l'ai jamais senti. Je suis en peur. Alors, ta première caisse, tu t'en souviens? Ouais, c'était une Triomphe blanche. Ouais, bravo, une TR3, ouais, 18 ans, dès qu'il a eu l'âge. Hein. Première boîte où t'es sorti? Où t'es rentré déjà? Ouais. Première boîte où je suis sorti. Alors là, je sais pas, j'en ai fait beaucoup. Hein. La première, à l'époque de la bande de la Trinité, j'imagine, non? Ah, le Golf Draw? Un Golf Draw, ouais, c'est, ouais, ça. Première boîte comme propriétaire, c'est celle qui ouvre... C'est 2003. Et ouais, voilà, 2003. Ouais. Il aura fallu attendre 2003 pour que Johnny Hallyday ait sa boîte à lui. Ouais, mais ça a une histoire, cette boîte que j'ai montée, là. On va en parler, on rallume. Ouais. En fait, cette boîte, c'est une histoire de cœur, en fait. C'est une... Absolument. J'ai rencontré Laetitia... il y a 9 ans, à Miami. Ouais. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Jean Rock travaillait pour André Boudou. Ouais. Qui est le père de Laetitia. Le père de Laetitia, oui. Et il me téléphone, j'étais à l'hôtel, il me téléphone, je devais partir le lendemain, il me téléphone, il me disait « qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Je lui dis « rien, je ne connais pas Miami ». Il me dit « si tu veux, on dîne ensemble ». Je lui dis « d'accord ». Il arrive en voiture avec André Boudou, Laetitia et la femme d'André. Et on va dîner, après on va à l'Amnésia de Miami. Et puis, la soirée se passe, on va dans d'autres boîtes, et bon, on rentre tard. Et puis, le lendemain, je revois Laetitia, et puis, je rentre sur Paris. Et donc, je rentre sur Paris, on a continué à se téléphoner, etc. Et puis, un mois après, Laetitia, je l'ai invitée, elle est venue à Paris. Elle devait rester une semaine, et puis, elle n'est jamais repartie. Elle avait un billet aller-retour. Oui, mais il n'a jamais servi le billet. Ouais. Et moi, si tu te l'es fait rembourser. Donc là, j'ai voulu faire par rapport à l'endroit où je l'avais rencontré, j'ai, ouais, voulu faire la boîte de nuit à Paris. J'y suis allé hier, donc c'est là qu'on s'est connus, on pourrait dire, et on a fait un petit reportage. Magnéto, Serge. On a voulu reconstituer l'ambiance de Miami. Ouais. Là, il y a un bar ici. Avec combien de bars au total? Trois bars. Trois bars, ouais. Avec des jolies jeunes filles. Bonjour les filles. Jolie barmaid. C'est que dans 8 jours. Ah, vous allez être habillées comment? On ne sait pas encore, c'est la surprise. Le moins possible, j'espère. Ah bon? Sexy. Sexy, oui. Et au fond, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Une cascade d'eau. Ah, d'accord. Ouais. Qui entoure la tête. Alors là, ici, ça, c'est des caissons de basse, en fait. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Mais au-dessus, on va avoir des filles qui dansent. Trois filles, super sexy, belles. Comme par hasard. On va aller voir le DJ. Ça sera toi, le DJ? Salut, Thierry. Enchanté. Tu sais que j'étais DJ, moi? C'est vrai? Ouais, à 16 ans, au Whisky à Gogo, à Jean-Lépin. Tu vois, tu vas toi, t'as un concurrent, là. Il y a combien de gens qui peuvent venir ici? Oh, à peu près 1500, 1800. Ah ouais.
C'est quoi la boîte que tu as préférée, toi, toute ta vie, si tu devais... Enfin, par celle-là, puisque c'est toi qui l'as quand conçue. J'étais plus jeune, j'allais tout le temps, c'était l'Élysée Matignon. Ouais, ah ouais. Et ça n'existe plus. C'est le rock'n'roll circus. Ah ouais, ouais. On va me voir les VIP, dis-tu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que fait Stallone là-bas? Il est en train de se mettre le doigt dans le nez ou quoi? Tu comptes venir souvent, toi? Ouais, je vais venir tous les soirs, je pense. Ah ouais? Alors, c'est bien comme cette femme. Mais pour moi, Laetitia, elle sait où tu es, mais pour moi, c'est une bonne occasion de ressortir. Voilà. Parce que je sortais plus. C'est vrai que dernièrement, je sortais plus parce que je m'ennuyais dans les boîtes. Je trouvais pas vraiment la boîte où je m'amusais comme avant. Ouais. On a 4 sorties de secours, plus la sortie pour les handicapés. Ouais. Donc ça va, on peut allumer le feu, ça va? On peut allumer le feu tous les soirs. Allumer le feu. La boîte de Johnny, c'est au pied de la tour Montparnasse. Et faire danser les diables et les yeux. C'est parfait, ça fait très été. Hein. Moi, je pourrais rentrer si je dis que je te connais. Moi, je veux que les gens s'amusent. Non, si je dis que je te connais, je pourrais... Tu peux venir gratos, toi. Bon client, carte de bon client. Ouais. Il va y avoir des soirées spéciales. Oui, il va y avoir des soirées spéciales. Non, mais attends, parce que lui, quand il dit spécial... Ah bon? C'est vrai? Bon, bah écoute, on va se voir peut-être plus souvent que depuis 20 ans, là. Maintenant que t'as une boîte. Ouais, bien sûr. Mais tu sais, moi, on veut pas faire de concurrence aux autres boîtes de nuit. Moi, tu sais, j'ai plein d'amis de nuit qui ont d'autres boîtes. Toi, Jean Rock, c'est pas la même chose. Le Queen, c'est pas le même principe. On est tous amis. Je crois que plutôt... on se complète plutôt que de se faire la tire. Beaucoup d'emails pour dire qu'est-ce que c'est que cette boîte? Le quoi? Le Queen. Le Queen. Ah bah voilà. Le Queen. Bien, alors Johnny, comme maintenant t'es patron de boîte de nuit, on va faire une interview boîte de nuit. Alors c'est à base de questionnaires de poules, c'est comme dans les boîtes. Johnny Hallyday, quel est pour vous le comble de la misère? Vive chez les autres. C'est pas lui la mettre en orange, hein. Ça fait 20 minutes que ça arrive. Johnny, où aimerais-tu vivre? En Corse. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? La faiblesse. Quel est ton personnage historique favori? Robin des Bois. Ah ouais. Quelle est ta qualité préférée chez l'homme? L'humour. Et chez la femme? La tendresse. Ah. Qui aurais-tu aimé être si t'étais pas Johnny Hallyday? Jean Gabin. Ah. Quel est ton principal défaut? Je suis têtu. Quel est le don de la nature que tu n'as pas et que tu voudrais avoir? Jean Gabin. Je voudrais en avoir une de 30 cm. Ce que tu détestes par-dessus tout. Les pédophiles. Comment aimerais-tu mourir? Vite. Quel est l'état présent de ton esprit? Super bien, je suis ici avec toi. Très bien. Est-ce que t'as une devise? Vivre et laisser vivre. Bravo, merci, on rallume. Merci Johnny. Alors beaucoup, beaucoup d'emails de gens qui savaient que tu étais là ce soir. Je leur donne pas mon email. Hein. Non, mais en tous les cas, il y a des questions. Est-ce que ça... Le portable, peut-être juste. On peut dire que ça commence par 06. Ouais. Oui. On s'arrête là. Hein. Ensuite, non. Donne 4 chiffres, Johnny. Donne les deux autres. Donne 4 chiffres. Allez, 11. Allez, 11. Allez, après, hop, à vous de trouver. Johnny, est-ce que ça vous a aidé d'être le père de David Hallyday pour faire ce métier? Mais c'est jamais facile pour un père de réussir dans l'ombre de son fils. Ouais. Ouais. Johnny, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir... souvenir... Baden-Baden, non? David et Laura. Ouais. Et alors, pour terminer, un mail des pompiers du Var.
Est-ce que vous pourriez éviter de chanter Allumer le feu l'été prochain, Johnny? Comment? Promis, je ne chante pas l'été prochain. Merci, merci d'avoir été avec nous, Johnny, c'est vraiment... Incroyable, il y a encore beaucoup de gens qui ne pensent pas que c'est le vrai Johnny. C'est fou, hein, malgré l'interview, malgré tout ça. C'est fou, les gens sont très très incrédules. Il y a encore des sceptiques. Des crévères. Ouais. Merci d'avoir été là. On me jette dehors. Ah non, Johnny, on te jette pas dehors. Si tu veux rester, tu restes. Bon, ben je reviendrai alors. D'accord. Bah, donne-lui une carte de bon client, Laurent. Ça veut dire que tu viens quand tu veux. Non. Merci. Ouais. Il y aura toujours une coupe pour toi, Johnny. Je reviendrai sans promotion. Merci. Je savais pas qui c'était, ce mec est charmant. Et maintenant, les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Voici Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout, mesdames, messieurs. Salut Jean-Jacques, ça va? Bonjour Thierry. Oh, t'as vu, je me suis fait faire une coupe bagnard comme ça t'es pas dépaysé. Ça va? Ça va. Parce que vous savez que Jean-Jacques Debout, mesdames, messieurs, a passé l'été au frais, hein? Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Comment ça va la santé? Bon, ça va mieux, mais au début de la canicule, ça je dois dire... pas avec comment ça va fleurir, c'est marrant. C'est pas fleuri. Voilà, c'est pour ça. Comment ça va la santé alors? Ça va, oui. Ça va bien? Ça va, je m'ennuie de mes camarades, mais bah ça ouais, va. C'est normal. Alors, vos camarades de mitard, justement, Jean-Jacques, ils étaient impressionnés que vous ayez composé Booba le petit ourson, sûrement, non? Oui. Vous leur avez dit en arrivant, c'est moi qui ai fait Booba le petit ourson, hein. Donc d'un seul coup, respect. Le soulier qui vole. Non, mais il a chanté dans la cour. Ah oui, c'est vrai? Jusqu'à 5h du matin. Ah bon. Bon, on va arrêter les conneries. Avant de parler de votre disque, Jean-Jacques Debout, Les Enfants du Paradis, on va en finir avec cette histoire de prison. On reprend les choses 2-0. Et pourtant, le match n'est pas commencé. Voilà, absolument. Bon. Donc, début juillet, Jean-Jacques, vous rentrez chez vous, bourré. Accident sans gravité, hein, celui-là. Le premier, la boulevard René Coty, pas de problème. Petit accident sympa, quoi. Petit accrochage. L'accident de quartier, quoi. Le petit accrochage tout seul. Mais accrochage quand même. Voilà. Pas de permis pendant 6 mois, mais enfin, bon, après tout, hein, bon. Et une semaine plus tard, alors là c'est un petit peu plus compliqué, contrôle au volant, vous conduisez la voiture de Chantal Goya avec 1,84 g d'alcool dans le sang. Et par personne, ils étaient 5. Ben voilà, non, attendez, il a payé sa peine à la société. Donc franchement, je dois dire, là, Jean-Jacques, ce soir, est parfaitement réhabilité. On parle de ça parce que, évidemment, c'est amusant. Et là, mais... tu ouvres une boîte que tu appelles Alcatraz. Non, j'ai toujours dit que j'avais fait une connerie. Voilà. J'ai jamais dit que c'était de la faute de la police. J'ai fait une connerie, je l'avoue, je m'en suis pris plein la gueule. Voilà. C'est bien fait pour moi. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, Jean-Jacques, en fait, c'est que vous vouliez aller à une émission de radio. J'ai demandé un taxi, il m'a dit, moi, je peux pas parce que je serai pas chez vous. Ouais. Avant 2 heures. Bah, enfin, toujours est-il que vous avez pris la voiture de Chantal, alors vous n'aviez plus de permis. Moment, voilà. Le fameux soulier qui vole. Et là, voilà. Comme c'était une émission où il y avait des gens qui m'appelaient sur l'antenne, ouais. Je me suis dit, bon, je peux pas faire autrement. J'étais enclavé au parc Montsouris. Bah, parce que c'est là que vous habitez, oui. Oui. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'après l'émission de radio, Jean-Jacques, il va dans une brasserie et il tombe sur les intermittents du spectacle. Il discute, évidemment, lui. C'est... Et quand voilà. Il discute, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir boire un verre voilà. Avec eux. Il discute, et à la fin, il est bourré. Ah ouais, tu connais Jean-Jacques. C'était le début où il commençait à faire très chaud. Ouais. Et puis il servait du Côte-du-Rhône frais. Ouais. Et là, quand on commence avec ça, on a l'impression de boire de l'eau, quoi. Bah, ouais.
Mais c'est hein? tout le problème, quoi. Ce qu'on aurait dû donner aux personnes âgées. Bah. Alors ensuite, ce qui est terrible, c'est que ils vous ont amené, Jean-Jacques, dans la cellule de dégrisement. C'est ouais. encore la cellule de dégrisement, ça va encore. Hein. Bon, c'est pas terrible, mais ça va. Mais là où ça devient difficile, c'est que le lendemain, vous êtes déféré au parquet. Et là, on vous amène dans la souricière. Ouais. Alors la souricière, c'est terrible. Vous passez un jour et une nuit en attendant d'être jugé dans cette souricière. C'est sale, il y a des... Ça s'appelle souricière à cause des rats. C'est épouvantable parce que c'est... D'abord, on est trois dans une... dans une cellule qui fait 3 mètres sur 2. Et puis, il y a des pauvres gars qui sont incarcérés. Ça ouais. tourne les uns sur les autres. Ils ont ouais. envie d'aller aux toilettes. Il n'y a pas de papier. Alors, ils s'essuient après les murs. Et puis après, il y a les blattes, les ravets. Et puis, ouais. Elles montent jusqu'au plafond. Au plafond, elles perdent l'équilibre parce qu'elles ne savent plus où aller. Délirium très mince. C'est et elles te tombent sur la gueule. Et elles te tombent sur la gueule. Et tu voyais ouais. des rats géants avec des iguanes qui rampaient dans le fond. Voilà. C'est signé. Non, là, il était en pleine descente, faut dire les choses. Bien. Enfin, en tous les cas, il y a un mec qui veut vous piquer votre montre à ce moment-là, Jean-Jacques Debout, dans la souricière. Et heureusement, il y a un Africain qui est là et qui dit « Tu le touches pas, ces chansons ont bercé mon enfance. » Ouais. Coup de bol. Oui, ça. Et hop, il l'encule. Alors le lendemain, vous êtes condamné à 1 an de prison, dont 3 mois fermes. C'est pas de la rigolade, 3 mois fermes, hein, ouais. pour 3 raisons. La première, c'est 1,84 g d'alcool dans le sang. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais apparemment, c'est beaucoup. Pas de permis. Et récidive. Mon permis retiré pour 24 mois. Voilà. Et récidive. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Alors voilà. Ensuite, Jean-Jacques Debout est emmené à la prison de la santé. Là, vous arrivez vers 22h. Oui. On vous donne des draps sympas, hein, des draps, des thés d'oreiller, matos. Oh. Oui, enfin, oui. Oui, sympa, matos pour la toilette et tout quand même, non? Oui. C'est comme les wagons-lits, quoi. Oui, enfin, oui. Chiant, dur Bah, le premier soir, oui, c'est assez dur parce que... Déjà, il n'y a pas de room service. Donc non, on a déjà, faim, et puis... Ouais. Bon, il y avait un prisonnier qui s'appelle Patrice, qui est très, très gentil, et qui est un peu l'intendant du quartier où... Ouais. Où quartier VIP, il faut bien le dire, quand même, Jean-Jacques. Enfin, VIP, c'est parce qu'on est tout seul par cellule. Ah, mais c'est déjà pas mal. Mais il n'y a que ça qui est VIP. D'accord. Et puis là... Jean-Jacques Debout se met à penser à Mesrine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Jacques était au collège de Julie avec Mesrine. Hein, il y en a un qui a réussi quand même. Je servais la messe avec lui voilà. en 47. Ouais. Et j'étais dans la même classe que Claude Brasseur. C'est fou. Et alors, quand il était à la santé, Mesrine, vous lui écriviez? Ah, je lui écrivais, oui, régulièrement, parce qu'il me demandait toujours de lui envoyer, de lui faire envoyer des autographes de Michel Drucker. Ouais. De tous les gens qui regardaient dans sa cellule à la ouais. télévision. Ce qui est dur quand même, c'est à 6h du soir, là, quand il ferme les verrous. 6h30, oui. Ouais. Quand il ferme les verrous, et là, on ne peut plus parler à personne. Et puis, bon, bah, il ne reste que la télé. Ouais. Puis ce qui est terrible, c'est que la nuit, il y a tous les prisonniers qui se parlent. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs bâtiments. Mmh. Et puis, ils se parlent de bâtiment à bâtiment, parce qu'il ouais. y en a qui se retrouvent, qui se sont ouais. perdus de vue pendant 15 ans. Et là, en ouais. ce moment, ils se parlent de bâtiment à bâtiment en disant « Tu vois, ils parlent de nous, quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ?» Ben oui. Et puis, de temps en temps, ils chantaient mes chansons. Oh, comme quoi, je chantais le lapin pour le petit lapin. Comme quoi, ça déprime. Bekassine, c'est ma cousine. En arabe. En arabe. Ouais. Ça donne quoi en arabe? Ben Kassine en arabe. Ben Kassine. Ce qui... Non, ce qui est terrible, c'est que donc à 6h30, on ferme les verrous et puis pendant la nuit, tu es là comme ça. Et de temps en temps, ils allument, évidemment, ils te foutent un phare dans la gueule pour voir que tu fais pas de conneries, quoi. Ouais. Toutes les heures, ouais. Toutes les heures, c'est comme dans un stalag. Ouais, ouais. Il y a un phare énorme qui vous réveille comme ça, puis alors ils regardent par le Judas, ouais. Puis ils referment pour voir si rien n'est anormal. Ils font ça pour savoir si le prisonnier n'est pas en train de scier les barreaux. Ouais. Oh, ils ont l'esprit mal tourné. Parce que... ouais. Alors finalement, donc, ça ne durera pas 3 mois, ça ne durera que 3 semaines. Vous êtes autorisé, Jean-Jacques Debout, à purger votre peine chez vous, ce qu'on appelle sous surveillance électronique. C'est-à-dire qu'on vous a mis un bracelet... À la cheville. À la cheville. Et le bracelet est donc relié à la balise, et ouais. la balise est reliée à la santé. Ils ont un écran de télévision, un petit écran. Ouais. Et quand ils veulent, ils savent exactement où vous êtes. Et normalement, il fallait que je sois rentré à 8 heures pile. Et un jour, j'ai été pris dans un encombrement, et ouais. je suis arrivé à 8h02. Ouais. Libre mort. Et le,
Le téléphone sonnait déjà, ils avaient préparé une voiture pour venir me chercher. Ah ouais? Mais le jour où t'as attendu un taxi pendant 2 heures, c'est eux qu'il fallait appeler. Oui. Alors, peu de gens savent qu'avant d'inventer le musical pour enfants, avec Chantal Goya, vous avez commencé au théâtre à l'âge de 17 ans. Vous avez été ami avec Marie-Laure de Noailles dans le dernier salon littéraire que comptait Paris. Vous avez connu Éluard, Kessel. Vous raccompagnez Cocteau chez lui sur sa... Sur ma Vespa. Sur votre Vespa. Et lui, il me disait, c'est formidable, votre motocyclette. J'adore faire de la motocyclette. Ouais, mais c'est une cascade, alors ça, je lui disais, je lui disais, monsieur Cocteau, c'est une Vespa. C'est, mais enfin. Et vous avez connu Marlène Détriche, grande amitié avec Marlène Détriche. Oui, parce que j'ai fait sa première partie à l'Olympia en 59. Ouais. Et puis, on est devenus très amis. Je lui ai écrit des chansons. Et puis, elle m'a emmené faire le tour du monde avec elle tous les galas où elle chantait. Tiens, la vie de Debout avant Goya, les gens la connaissent pas, mais c'est énorme. Vous avez composé pour Johnny Hallyday, pour Sylvie, pour Christophe. Pour Barbara, pour Yves Montand, pour Marie Laforêt, pour presque tous. Si vous n'aviez pas rencontré Chantal Goya, vous seriez devenu un immense songwriter, non? Didier! Pour moi, la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli. Foulant le sol de ma prairie. Je vous chante avec mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Excusez-moi, monsieur le professeur. Si je ne connais pas mes leçons par cœur, si je me tiens debout tout au fond de la classe, c'est parce que je n'aime pas faire les choses à moitié. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon. Casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, tout au long des jeudis sans fin, voyez passer les orphelins. Nos doigts se sont croisés pour la première fois. Seul à ta vie pour vivre l'amour le plus sage pour un jour. Les enfants du paradis, ô toi Baptiste l'incompris, combien de gens. Voilà, Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout a composé non seulement des tas de tubes pour d'autres chanteurs, et puis pour vous aussi. Mais alors vous, en tant que chanteur, vous aviez du mal, Jean-Jacques, à chanter en dehors des petits comités. Vous, dès qu'il y a trop de monde, ça va pas, hein? Bah, c'est-à-dire que j'ai fait 2 fois l'Olympia en vedette, dans les années 72 et 74. C'est vrai, Jean-Jacques, déjà en 66, je me souviens, un gala du Midem, où dans l'énervement, vous avez carrément déchiré toutes les partitions de l'orchestre. Oui, c'était en 66. Ouais. En 76, au Palais des Congrès, vous vous arrêtez pratiquement de chanter au milieu du concert. C'est-à-dire que vous ne sentiez pas bien comme chanteur, quoi. Non, je me sentais pas... comment on peut dire, je me demandais un peu ce que je faisais là. Ouais. J'étais toujours en scène à des heures qui... Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Je peins. Il n'aime pas mon style. Mais je peins. Et j'écoute attentivement. Alors, Johnny, vous l'avez connu très, très tôt, Johnny Hallyday, non? Je me souviens de rien, mais je sais que... vous faisiez la première partie de Gene Vincent. Ouais. Et il vous avait demandé une place pour aller voir Gene Vincent. Oui, il avait 15 ans. Et puis, à l'époque, je chantais chez Patachou au cabaret à Montmartre. Ouais. Avec Jacques Brel, qui lui passait pour la première fois de sa vie en vedette. Ouais. Et puis Johnny, un soir, j'ai vu un jeune garçon qui est venu, qui avait un rond de, comme les bières là, qu'on met sous les bocs de bière. Ouais. Puis il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner un autographe? Ouais.
Alors je lui ai dit, bah oui, je veux bien, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, ma cousine fait un numéro de... un numéro de voltige à la Nouvelle Ève avec mon cousin, qui s'appelait Lee Hallyday. Ouais, Desta et Lee Hallyday, ouais, c'est ça. Desta et Lee Hallyday. Et j'ai entendu à la radio que vous alliez passer en première partie de Jane Vincent pour un musicorama. Est-ce que vous pourriez me faire rentrer parce que c'est mon idole? Et plus tard, il n'est pas très content que vous ayez écrit la chanson qu'on vient d'entendre, là, pour Sylvie Vartan. Ça ne lui plaît pas. Il dit, t'aurais mieux fait de me la donner, t'aurais gagné plus de pognon. Oui, c'est-à-dire on était en voiture, on avait chanté à Toulouse ensemble, et puis en conduisant, il avait sa Bouic Miel, il a pris ça. Ma Bouic Miel. Alors j'étais content d'être là. Et puis alors, à l'époque, on avait ce qu'on appelait des manches-disques. Et puis, bizarrement, il avait le disque. C'était tous mes copains, quand je les vois passer. Et puis, il écoute ça, et puis il me dit... Ça va marcher, ça. Il me dit, t'es quand même un peu con. Il dit, t'es quand même un peu con, parce que... Tu m'aurais donné cette chanson-là, moi j'en aurais vendu beaucoup plus qu'elle. C'est ça. Alors, messages pour dire qu'est-ce qui le fait bien. Ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, Johnny, il n'aimait pas beaucoup Sylvie Vartan. Mais, non, mais je ne sais pas qu'il ne l'aimait pas, mais il ne comprenait pas. Il me dit, du reste, je ne sais pas ce que tu trouves à cette fille-là. Et toi, tu lui as dit, cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Alors, Et en plus, c'est vrai, c'est vrai, vous étiez très amoureux, il faut dire la vérité. Oui, j'étais amoureux d'elle. Et voilà. Alors, il me disait, je ne sais pas ce que tu lui trouves, c'est ridicule. C'est une conne. Et il m'a même dit, si tu veux, dans quelques temps, là, je te présenterai des gonzesses et tu verras ce que je vais te présenter. Ouais. Et puis finalement, elle terminait une tournée avec Gilbert Bécaud à Aix-en-Provence. On était à Marseille, au théâtre du Gymnase. Elle me téléphone et je lui dis, elle me dit, j'ai fini ma tournée, je lui dis, rejoins-moi. Il s'est trouvé que ce soir-là, l'hôtel de Noailles avait ouvert un restaurant, une pizzeria, où il nous avait invités avec Johnny et moi et nos amis. Et puis, j'ai installé Sylvie en face de lui. Ils ne se sont pas quittés des yeux. Attention, scoop. Et après, il m'a dit, si vous voulez, on va prendre un verre au whisky à gogo sur le Vieux-Port. Et puis, à un moment, il l'invite à danser. Puis moi, j'étais là sur la banquette. Il l'emmène. Après, il l'emmène au bar. Il lui met son bras autour de son cou. Alors qu'avant, il ne l'aimait pas. La veille. Et puis moi, je me dis, mais t'es comme un con, là, tu fais banquette. Alors, je me suis levé, je suis reparti à l'hôtel de Noailles, j'ai sorti ma voiture, j'ai réglé ma chambre, j'ai fait une lettre pour Jenny où je lui ai dit, écoute, je quitte la tournée, mais le mieux, c'est que Sylvie me remplace, comme ça, tout sera le mieux pour le meilleur des mondes. C'est magnifique, tu t'es effacé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Quelle classe. Tu m'entends, Thierry? C'est qui? C'est un peu de foot. Je vois, voilà. C'est Joey Star, à mon avis, là, Laurent, non, qui est avec vous. Oui, on attend deux hôtesses de l'air et on reprendra l'antenne. Ça va beaucoup l'amuser, ça, Laurent. Bon, eh ben, à mon avis, ça va être très, très chaud. Bien, donc, à la même époque, grâce à Dieu, vous rencontrez Chantal Goya. C'est-à-dire, c'était l'anniversaire du fils d'Albert de Barge. Et puis, à un moment, on m'a demandé de chanter. J'ai chanté donc Les Boutons Dorés. Et pendant que je chantais dans la salle, enfin, dans le salon, j'ai aperçu une petite brune avec une petite robe rouge. Et puis, je sais pas, elle m'a plu. Et puis, j'ai été la voir. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je crois qu'on se mariera. Vous serez célèbre à 30 ans. Et vous chanterez un jour à l'Opéra de Paris. Alors, elle m'a dit, qu'on se marie, ça peut arriver. Que je sois célèbre à 30 ans, ça peut arriver. Mais quand t'as chanté à l'Opéra de Paris, je crois que vous vous fichez un peu de moi. Et elle a chanté à l'Opéra de Paris? Oui. Un jour, pour le goûter de Matignon, Madame Barre l'a invitée pour faire le goûter des enfants du personnel de Matignon à l'Opéra de Paris. Bravo. Laurent, tu as piqué le collier de Joey Starr, c'est ça? Ils sont très sympas, ces rappeurs, très sympas. Ouais, sympas, mais t'es revenu quand même. C'est du vrai, hein? Ça me va ou pas? Il est bourré de thunes, putain. Magnifique. P, ça tient pourquoi? Pour police. Ah, pardon, excuse-moi, Laurent. Voilà, donc ensemble, Jean-Jacques Debout avec Chantal Goya, vous allez inventer le musical pour enfants. Immense succès jusqu'à cette pitoyable émission de Patrick Sabatier, le jeu de la vérité. On en a beaucoup parlé, on va pas revenir là-dessus. Ce qu'on sait pas, en fait, c'est que le soir de cette émission en direct, donc où Chantal Goya était là avec Patrick Sabatier, vous aviez été interdit de régie. C'est-à-dire, vous y alliez dans la régie pour contrôler un petit peu les appels. Et le réalisateur... Ouais, mon frère, yo-yo. Et donc, le réalisateur Rémi Grimbach... Non, mais c'est vrai, le réalisateur Rémi Grimbach, il y a les oreilles qui accrochent un peu,
Non, mais c'est vrai, il vous a interdit de rentrer. Il vous a interdit de... C'était pas lui directement, mais ouais. Son assistant est venu me voir. Ouais. Il m'a dit, tiens, on t'a mis un petit récepteur, un témoin, ouais. Dans la loge. Ouais. Ils m'ont amené une bouteille de GB avec ouais. Un seau à glace, une ouais. Bouteille de coca. Ouais. Ouais. Et puis, je me suis pas méfié sur le moment. Ouais. Ils m'ont enfermé à clé. Ouais. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus grave, ça. C'est qu'en fait, la maîtresse d'école qui a provoqué le truc, quoi, je veux dire, qui a poussé Chantal Goya à bout ce soir-là en direct dans l'émission de Sabatier, elle a dit qu'elle était la maîtresse d'école du Drancy. Et vous êtes allé à Drancy, vous y êtes allé à Drancy, oui. Et vous êtes aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de maîtresse d'école, qu'il y avait un maître d'école. Oui, et puis une chose plus grave, à un moment, Chantal lui a dit, mais vous êtes une maîtresse d'école de quelle classe ? Ouais. Et quand on est une vraie maîtresse d'école, on dit de 9e, de 7e ou de 8e. Ouais. Et là, elle lui a dit, ça ne vous regarde pas. Ouais. Et là, j'ai vu que ce n'était pas une vraie maîtresse ouais. D'école. Ouais. Ouais, voilà. Donc vous pensez sérieusement, là, comme ça ? Ah, je le pense toujours que c'était un coup monté. Ouais, une émission truquée. Truquée, oui. Ouais. En deux mots, c'est quoi l'histoire ? Pourquoi cette émission a été truquée ? D'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait tellement de monde qui venait voir les spectacles que j'avais mis en scène pour Chantal, bon, que ça faisait quand même, ça avait créé... Il y a des jaloux, quoi. Ouais, plus que ça. Des espèce de... Oui, mais il y avait quelque chose de malsain, de méchant, ouais. qui avait commencé à s'installer. Ouais. Et je sentais, du reste. Mais je voulais pas qu'elle fasse l'émission. Je lui avais dit, n'accepte pas cette émission. Si tu l'acceptes, je fais ma valise et je fiche le camp. Je te quitte, on se revoit plus. Elle m'avait dit, je te promets que je la ferai pas. Entre-temps, je suis parti à l'île Maurice. Ouais. Pour le journal Jour de France avec Luc Fournol qui ouais. Voulait que je fasse des photos avec la petite Joëlle ouais. Du groupe Il était une fois. Ouais. On est parti faire ouais, des photos. Les draps s'en souviennent. Ouais. Hein? Ouais. Oui. Bien. Les draps s'en souviennent. Tu fais pas, hey, je suis obligé de faire les vannes à ta place, connard. Oui, parce que quand ça a été fini, Sabatier a dit à Chantal, ouais. Tu vois ma petite Chantal, à partir de ce soir, t'es au chômage. Ouais. Mais avec un air ouais. Qui était vraiment pas très sympathique. Et là, je lui ai dit, tu vois, Chantal, je t'avais dit de pas faire cette ouais. Émission, je savais pourquoi, mais bon. Voilà, Jean-Jacques Debout, les enfants du paradis, mesdames, messieurs. Et maintenant, voici Julie Delpy. Bonsoir Julie. Bonsoir. Jean-Jacques Debout, Laurent Baffy, vous bonsoir. Connaissez tout le monde. Ça va ? Ça va et vous ? Bah, très bien, vous avez un look d'enfer là. Hein. C'est très très joli les bas là. Les bas bleus ah, et les chaussures. Ça va bien avec le décor avec pour le une fois. Ah, vous le êtes vert. Sorti avec. Bien, donc je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, ce qui m'étonnerait, mais enfin bon, actrice hein, de Jean-Luc Godard à Urgence. Jean-Luc Godard comme notre amie Chantal Goya qui a fait masculin-féminin avec Godard. Ouais. Donc en passant par Léo Scarrax, Les Amants du Pont-Neuf, Bertrand Tavernier qui vous a oui, révélé enfin, oui. Ouais. Voilà, dans La Passion Béatrice. Et puis vous êtes aussi réalisatrice et vous ajoutez maintenant une nouvelle corde à votre art avec un album qui s'appelle tout simplement Julie Delpy. Voilà. Alors pourquoi ce titre ? Il y a quelque chose qui me pique la gorge. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. Ah, c'est de la peinture. Ah, c'est la peinture, mon petit lapin. Oui, faut faire attention, parce que je crois qu'il y a des cancérigènes, c'était marqué sur le pot. Ah, j'étouffe, merde. Il y a marqué peindre tue, en gros, moi, j'ai plus pris ça. Oh là là là, c'est de Laurent, la peinture bravo, à l'amiante. Laurent, bravo. Non, non, j'étouffe, pardon, excusez-moi. Oui, comment non, vous demandez pourquoi ce titre, Julie Delpy ? Ça, c'est le syndrome Ardisson. On a un malaise par semaine. Hein. Restez à l'écoute, ça peut bouger, c'est très intéressant. Allez, bon, Julie, on va faire. On va écouter votre chanson, vous allez oui, vous remettre. I'm not gonna stand up, I'm not gonna step outside. I'm gonna hold you so tight, and look you in the eyes. Vous savez quoi? Il faut lui taper dans le dos dans ces cas-là, tu oui, sais ça. Tape, non, il paraît qu'il faut lui faire ça. I'm not gonna wait, I'm not tape gonna stand up. I'm not gonna step outside. Ça va mieux. Ouais, ça va là. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il y avait une sorte de petite bête qui m'est rentrée dans la gorge. Ah là là là. Bon, pourquoi ce titre, Julie Delpy ? Pourquoi ce titre, Julie Delpy ? Oui. Ben, en fait,
En fait, ça s'est fait très très vite. Moi, je voulais l'appeler Black and Grey, l'album. Ah, c'est bien. Mais comme c'était mon premier album, pour que ce soit plus repérable, on a mis mon nom. Julie Delpy. Black and Grey n'était pas ton nom. C'était non plus, pas mon nom non plus, voilà. Donc ça prêtait à confusion. Donc Julie Delpy, ça tombait vachement bien parce que c'est ton nom. Voilà, voilà, on en a profité. Quoi. Donc là, faut pas louper des histoires comme ça parce que ça passe pas deux fois. Quoi. Merci ça vous fait du bien de chanter. Ça me fait beaucoup de bien, oui. Ouais. C'est un peu comme une drogue, quoi. Comme une drogue. Ça me met dans un état second, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure drogue que vous ayez jamais goûtée? Bah, écoutez, j'ai vraiment touché à très très peu de drogue, donc... Non, j'ai fumé de l'herbe. Oui. C'est tout. C'est mieux que l'herbe, chanter. C'est mieux que l'herbe. Ah ouais, c'est 100 fois mieux. C'est ce qui vous fait le plus planer, chanter? Oui. Oui, j'ai peur de où vous allez. Non, non mais c'est vrai que ça me fait... Pas peur de moi, bon. Julie, franchement. Il y a une transition avec la sodomie, tu verras, c'est très brutal, mais il y arrive. Il sait où il va, il n'y a que lui. Oui, je me disais, il y a quelque chose qui arrive. Pour l'instant, il te fait planer, et d'un seul coup, boum. Derrière, Laurent, je te le jure. Non, mais j'adore ça. C'est vrai que j'adore ça. J'aime vraiment ça. Mais il y a d'autres choses que j'aime bien écrire, j'aime bien faire des choses. J'aime bien me mettre dans un état un peu second en faisant des choses qui m'occupent l'esprit d'une manière très... Je sais pas, très contenu, quoi. Alors, Julie Delpy, vous avez quitté la France il y a une dizaine d'années pour aller vous installer à Los Angeles. Mm-hmm. Vous êtes déçue par votre carrière américaine? Parce non. que nous, oui. Hein. Ah, vous êtes déçue par votre carrière américaine? Nous, ici, en France, on est assez déçus. Non, sérieux. Non, absolument pas. Je viens de tourner un film américain avec Richard Linklater, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup et que j'avais tourné Before Sunrise, qui est un film qui n'est pas connu aux États-Unis. Problème d'accent, les gens ne comprennent pas. Ah oui. Les gens ne comprennent pas les noms. Richard Linklater, personne n'a capté. Hein. Richard Linklater, Before Sunrise, et avec Ethan Hawke. Ethan Hawke, d'accord. Que des balles. Et donc, non, je continue à travailler aux États-Unis. J'aime beaucoup faire des films avec des indépendants. J'ai des propositions. Non, je ne suis pas du tout déçue de ma carrière américaine. Et je suis moitié-moitié sur les deux continents. Et ça me convient très bien de faire l'aller-retour. Alors, en France, comme on disait tout à l'heure, vous avez commencé à 14 ans avec Godard. Ensuite, Léos Carax à 15 ans. Pas facile. C'est ce qui vous a donné un petit peu cette image d'emmerdeuse, Léos Carax, non? Parce qu'il voulait que vous maigrissiez. Il était insupportable avec ça, vous. Il ne faut pas me demander de maigrir. Non, je fais ça. Non, mais je crois que j'ai eu beaucoup de problèmes sur le tournage. J'ai eu un accident de moto très grave. Ça m'a laissé des problèmes pendant des années. Après, j'ai dû me faire opérer du genou. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes qui ont des séquelles très longues qui m'ont marquée. Comme j'avais 15 ans, je pense que je les vivrais maintenant, les problèmes de ce tournage. Je pense que je les gérerais beaucoup mieux. À l'époque, ça vous a humilié, quoi. Ben, je me sentais fragile, on est fragile, à, je pense. Enfin, je veux dire, pas plus que ça, j'étais pas plus fragile que ça, mais on est un peu plus sensible à 15 ans que plus tard. Enfin, plus tard, mais enfin, maintenant, moi, je prends tout avec plus d'humour, disons. Ouais. Vous preniez du plaisir à l'époque à vous faire humilier par Léos Carax? Ça commence. Alors, est-ce que je suis mazo? C'est ça que vous voulez savoir? Ben non, c'est pas ça, c'est qu'il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Ah oui, d'accord. Je t'aime tant, et effectivement, qui parle d'une relation sadomaso. Et vous dites, je suis assez fasciné par cette soumission totale à l'autre. Pas de marque, Thierry. Un acte finalement généreux et sain. Donc peut-être vous avez ça en vous. Non, mais je pense qu'on a tous un côté sado ou maso en soi. Je pense que c'est que chaque être humain est relativement complexe. Pourquoi moi? Surtout quand ça vient au sexe. Pourquoi moi? Non, mais je ne vous regarde pas particulièrement. Ne le regarde non, pas. Non, mais je pense que tout le monde a une tendance plus ou moins. Je pense. Enfin, bien je pense sûr. Que c'est là, déjà, c'est chaud déjà. Laisse tomber. Sans être complètement pervers non plus. Mais un peu quand même. Voilà. Non, mais en fait, cette chanson, elle est pas par rapport à moi, elle est par rapport à quelqu'un que je connais. Et quelque part, dans son sadisme, je pense qu'il était plus généreux que certaines personnes qui sont soi-disant dans la norme habituelle. Et quelque part, c'était beaucoup plus romantique. Mais c'est ce qui m'avait dit, qui m'avait inspiré à écrire cette chanson, en fait. Non, je pense qu'on peut être heureux qu'à travers des choses très... très personnel. Enfin, je pense que de toute façon, le bonheur, il n'est pas sur les choses extérieures. C'est-à-dire, on peut être très malheureux en ayant tout ce qu'on veut, en étant aimé par quelqu'un passionnément. On peut avoir tout ce qu'on désire dans la vie et à continuer à être malheureux. Donc, ce qui est quand même grave dans ce que vous dites, c'est que vous ne croyez pas à l'amour, quoi. Je ne crois pas à l'amour d'une manière de dépendance. Ouais. Si, l'amour charnel, la passion, tout ça, j'y crois, mais de dépendance, c'est-à-dire... De dépendance. Je ne pense pas qu'on peut, être heureux dans la dépendance. C'est maso. C'est la dépendance, maso, c'est maso. Voilà. C'est quelque chose que je refuse. Voilà. Enfin, que elle je veux pas. Pas du tout maso. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que là, on est au moins arrivé à établir ça ce soir. Ça a pris un petit peu de un temps. Un petit peu quand même, parce qu'elle subit les assauts avec beaucoup de patience. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous vous aimez? En ce moment, là. Je m'accepte. Ouais. En ce moment, je m'accepte. Me dire
que je m'aime, c'est le pousser un peu loin mais le bouchon. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème, non, je vais dire le problème. Non, mais le problème, je vais le dire. Excusez-moi de le dire, le problème. Oui. C'est que Julie est toujours seule. Non, mais... Non. Vous avez déclaré, je ne sais pas si c'est vrai, ça me semble impensable, mais je cherche un homme qui pourrait être ma femme. Oui, il y a... Non, mais il y a un côté de moi qui aime l'idée, en fait. C'est-à-dire, j'aime tellement travailler, j'aime tellement m'enfermer dans mon monde et être seule, que c'est vrai que je vois très peu d'hommes qui peuvent accepter ça d'une femme, ouais. Alors que beaucoup de femmes vont être la femme de l'écrivain, ou la femme du compositeur, ou la femme de ci ou de ça, et, ou la femme de l'acteur, ou la femme de la... Voilà. Et je pense que c'est beaucoup plus dur pour un homme d'accepter ça, d'être dans cette position-là, je pense. Ouais. Ce qui est un problème. Vous, enfin, cherchez, vous cherchez un homme de l'ombre, en fait. Non, non, pas forcément. Je cherche quelqu'un de enfin, je ne cherche pas, en plus. Je ne veux pas quelqu'un. Ouais. Je ne veux pas. Je n'ai jamais été aussi heureuse que quand je suis seule, en fait. Bon, donc, j'avoue, je suis heureuse seule. Et ça, c'est peut-être un... c'est pas un problème, je le prends comme une qualité, ouais. Justement, pour moi. Non, mais enfin... Moi, je lis beaucoup d'interviews de vous, vous dites « je voudrais mourir à 120 ans, entouré de mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. » Méline, elle vous a pas dit qu'elle était lesbo. Ce que me disait un petit peu Marlène Dietrich, quand elle me faisait ses confidences. Ouais. Un jour, on revenait de Bruxelles dans le train, et je lui dis « mais Marlène, vous allez peut-être vous remarier, sans vous remarier, mais vous allez refaire votre vie. » Elle venait de rompre avec Ralph Vallon à l'époque, qui jouait. J'imagine. Et elle me dit « mais pourquoi vous me dites ça? Je suis tellement heureuse, seule. Imaginez-moi rentrant chez moi le soir et être serrée dans les bras d'un con. Quelle horreur. Voilà. C'est vrai que... Vous êtes la Marlène Dietrich de l'an 2000. Voilà. Non mais, vous dites que j'aimerais mourir à 120 ans avec mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc. Mais vous avez quand même commencé à faire des enfants maintenant. Vous n'avez pas d'objectif familial? Non, mais je pense que je vais faire des enfants, mais je ne sais pas encore comment. Je vais gérer d'une manière... Vous non, mais je n'ai pas tout arrêt. De suite. Je peux attendre encore un peu. Maintenant, on peut avoir des enfants jusqu'à 40, 42. Julie, ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le soir même. Ce soir même. Alors, on s'est connus en 1989, Julie et moi, dans une émission qui s'appelait « Lunettes noires pour nuit blanche ». Les anciens connaissent. Et je me souviens d'une phrase de vous qui m'a beaucoup marqué. J'essaie de trouver l'éternité, c'est une recherche de folle. J'ai dit ça. Ouais. Lucide. C'est pas Juvet qui a dit ça. Non. J'ai... À vérifier. Hein. J'ai dit ça. Ouais. Vous cherchez toujours l'éternité? Non, non, pas vraiment, non. Non, non, je me suis l'amour, fait à l'idée non, de... L'amour, non, l'éternité. Ah, tu t'es fait à l'idée? À l'idée d'y passer un jour, ouais, ouais. Ça va vite, à hein. D'y passer, je veux dire, oui, d'y rester. Enfin, d'y passer. Il se passe des trucs dans les rêves. Je me suis fait à l'idée. Bien. Moi, je pense que Julie, d'après ce que j'écoute, j'ai l'impression que... Elle ne veut pas non plus refuser une aventure qui pourrait être formidable pour elle. Il, aussi ah, il se place bien, t'as vu comment elle enchaîne. Ben, bravo, hein. Bel enchaînement. Non, non, c'est vrai. Ben, continue. La fidélité, c'est formidable. Oui, mais ça va 5 minutes. On les connaît, les Chantal. Vas-y, enchaîne, non, t'es chaud, t'es c'est chaud. C'est autre chose, ça. Ce qu'il faut, c'est être discret, moi, je voilà, crois. Bien sûr, bah oui. I'm not gonna wake up. I'm not gonna stand up. I'm not gonna step outside. I'm gonna hold you so tight, and look you in the eyes. Bien, Julie Delpy, on va voir si vous avez une chance de fonder une famille. On va vous faire l'interview in vitro. Non, pas l'amour. Donc l'interview par amour, les habitués connaissent, un grand classique de l'émission. Est-ce que par amour? Je crois que ce soir, ça s'impose. Est-ce que par amour, vous êtes prête à cacher quelqu'un qu'il vient de tuer? Non, parce que j'aurais peur qu'il me tue. Vous voyez? Enfin, je veux dire... Est-ce que vous êtes prête à tuer quelqu'un qui vient de cacher? J'ai des problèmes avec le crime, je pense que le crime doit être puni. Je comprends, vous ne soyez pas mariés en même temps. Tu vois, la première question, le répondons déjà, c'est... Est-ce que vous êtes prête, par amour, Julie Delpy, à vous mettre aux drogues dures? Non. Est-ce que vous êtes prête... Tu vois, elle est prête à faire aucun effort en même temps. Aucun effort. Est-ce que vous êtes prête à prendre 17 kilos? Par amour.
Oui, ça. Ah, c'est le poids d'un bébé en même j'aurais temps. J'aurais du mal, mais... Est-ce que par amour, alors là, c'est évidemment la question Clotilde Courau qui a épousé cette semaine. C'est la question de la princesse. Et la question de la princesse. Tout le bonheur. Elle te rend compte quand maintenant elle est princesse et tout. Lui, il est prince de Venise et quand il avait lancé son parfum, tu lui avais dit qu'il était tête de gondole, tu te souviens. Elle mérite plein de bonnes choses. Enfin voilà, c'est plein de souvenirs qu'on a. On leur souhaite beaucoup de bonheur aux deux tourtereaux. Est-ce que donc, comme Clotilde Courau, vous seriez prête à embrasser 100 fois ses chaussettes sales? Des chaussettes sales. Mais pourquoi je ferais ça, quoi? Bah, par amour. On choisit pas, vous savez. Mais sales de sale, basket, sales de chaussures en cuir. Sales de prince avec des chaussettes brodées, sale, donc sale. Ça va. Alors? Oh, ouais. Bon. Enfin, bah, vraiment. Ben bah, voilà, ben bah, Julie. Hey, moi, je me poserai plus la question après cette interview. Vous refusez tout. Non, j'ai dit oui, les chaussettes. Ouais, allez. Mais oui, mais vous dites du bout des lèvres. Je les aérerai. Voilà, vous dites comme ça, oui, comme ça. Bon. Alors, est-ce que, par amour, vous accepteriez, Julie, quelques petites infidélités? Si moi aussi, je peux être infidèle, oui, sans problème. Ah ouais. Non, ça ne va pas coller, cette affaire. Non, ça n'ira pas. Est-ce que vous accepteriez, par amour, qu'il y ait une maîtresse? Ça, oui. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ah ouais, ça. Oui, ah, vous avez trouvé, là. Je sais pas. Beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. En plus, elle n'est pas chiante. Beaucoup je d'appels. Je ne suis pas trop, trop intéressée. La fidélité est une chose qui me semble abstraite, en fait, dans un couple longue durée, pour si lui, on veut que les choses pour fonctionnent. Pour le mec. Pour les deux. Ah non, pour les deux, c'est déjà plus embêtant. Oui. T'es comme ça, toi, Jean-Jacques, toi, dans ton couple, vous acceptez des... Non, pas d'infidélité. Non. Sûrement non. Pas. Non. T'es capable de tuer un chasseur. Ce qu'il faut, c'est être discret, je pense. Ouais. Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vivre à trois avec sa maîtresse? Sympa, la maîtresse, hein, amusante. Sympa, cool. Ouais. Fait la vaisselle, fait le lit, tout sympa. Vraiment, la maîtresse, cool. Mais déjà, je sais pas si j'accepterais de vivre avec la personne. Ouais. Parce avec que le mec déjà, j'aimerais mieux qu'ils vivent ensemble et que moi, j'ai un appartement séparé, vous voyez. Pour moi, ça me conviendrait mieux, déjà. Et à deux avec la maîtresse? Non. Pas du tout. Bah, non, bah, si c'est juste une copine, oui, c'est très sympathique. Non, j'aimerais mieux être seule, en fait. Ah, elle veut tout le temps être seule. Elle finira toute seule. Elle finira toute seule. Et il peut aller avec sa maîtresse, vivre avec sa maîtresse, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais prends-toi un chien, tu te feras moins chier. Ah, j'ai un chat, déjà. C'est pas compatible. Les clubs échangistes, par amour? Ah non, non, ça non. Bon. Mais si t'es toute seule? Non. Non, les clubs échangistes, il y a quelque chose d'un peu cradingue. Quoi? Le côté les gens qui se connaissent pas, ça m'écœure. Pas, ça. Vous, pour partouzer, il faut connaître les gens. Ah bah moi... D'où ils viennent, quelles sont leurs formations? Non, je suis pas du tout partouze, non, ça me dit rien du tout. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? C'est quoi être une esclave sexuelle? Magnéto, ça. Bon, oui, pendant quelques temps. Combien de temps? Je sais pas, quelques mois. Mais après, faut que ça passe parce que... Ah ouais, vous voulez pas être esclave toute votre vie? Ah non, ça, non, c'est pas possible, non. Je suis mal barrée, hein, c'est ça. Très mal barrée, dernière question, je suis pas sûr qu'on y foutu. Arrive. Est-ce que par amour, vous seriez prête à vendre votre corps pour lui? Non. Mais vous êtes prête à... À rien, pratiquement. À rien, par amour. Mais vous avez vu vos questions, enfin... Mais c'est des questions de la vie. C'est des questions de la vie. Et vous, je peux retourner une question, vous êtes prêt à vendre votre corps par amour? Ouais. Mais c'est vrai ma femme, attendez, si ma femme, j'en fais un serment solennel non, ce soir. Non, mais attends, oui, vas-y, voilà. Si ma femme me demande de vendre mon corps par amour, je le fais. Ok, de baiser avec... De vendre votre corps à... Je sais pas... À la science. À Sarkozy, par exemple. À Sarkozy? Raffarin, à Raffarin. Il y a un script qui me dit Fogiel. À Raffarin. Votre corps à Raffarin. Par amour. Si ma femme me demande, je le fais. Ah, c'est beau quand même, l'amour. Voilà. Bravo. Il est pas mal, Raffarin. L'album s'appelle Julie Delpy. Et maintenant, voici Joey Star. Yes.
Jessica, vous lui avez mal mis son fauteuil, putain, dès le départ, vous l'énervez, là. Il va tomber, c'est pas bon du tout, ça. Fais attention, Joe, il va pas te faire mal non plus, quand même. Je tomberai pas. Ouais. Merci. Comment ça va? On essaye. T'as vu, je me suis fait faire la même coupe que toi. Hein. La coupe bagnard, pour faire plaisir à debout. Ouais. C'est bien, hein. Alors, la semaine dernière, il y avait Ayam sur ce plateau. T'as vu l'émission, non? T'as écouté leur CD, non? Non, j'aime pas la démagogie, donc à ce moment-là, je suis pas devant ma télé. C'est quoi ton prénom? Pour parler d'Ayam. Lily. Lily va te dire un truc, Joey. T'as pas vu que j'avais pas fini de parler? Merci. J'adore. Parce qu'elle le criait derrière. C'est ton chanteur préféré? Après Eminem, c'est mon chanteur préféré. Après Eminem! J'ai tout de toi. Bon, ah ouais. Merci. T'as tous ces morceaux? J'ai tout. Ah ouais. Et le morceau que tu préfères de... Non, de... non, non. Tu vas fermer ta gueule. Un bisou et puis, hein, un bisou quand même. S'il veut, tu veux, ouais. Le bisou, alors là. Beaucoup de demandes de bisous qui arrivent. Ouais. Je vais dire un truc, Joey. Elle a fait la même chose à Akhenaton la semaine dernière. Toi, va te faire cuire le cul déjà, commence par là. Toi. Beaucoup de bisous. Dis-moi, et donc, ouais. T'as pas écouté le CD de Ayam alors? Bah si, tu sais que j'ai une émission tous les jeudis qui s'appelle Jeudi jour de sodomie à minuit chez moi. Et donc, on passe du rap français, on promotionne le rap français dans tous ses états. Et donc, ouais, j'ai écouté le maxi et deux, trois titres là, et l'album on l'a reçu, mais je l'ai toujours pas écouté. Ouais. Noblard, c'est pas mal, non? C'est quoi l'autre question? Ok. Bah, l'autre question, c'est toujours sur Ayam. Ah bah. On les a découverts un petit peu plus mûrs, pères de famille, concernés par le monde qu'ils allaient laisser à leurs c'est enfants. Sûr que je suis pas concerné, moi, à ce moment-là. Toi, tu n'es pas concerné? Non, je fais office d'amant et de fils en même temps. Pas père. J'ai refusé de grandir. Ouais. Alors, t'as pas vu la discussion avec le député de l'UMP sur le cannabis, là? Si, ouais, j'ai vu. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu. Ouais. Bon. Alors, ils veulent donner des amendes, soit 10 000 balles, soit 1 000 balles. Mais pourquoi c'est à moi que tu demandes ça d'abord? Bah, je te demande ça parce qu'on a parlé pendant toute l'émission de la semaine dernière. Mmh. Et je te demande ce que tu penses des amendes pour les consommateurs de cannabis. Je sais bien que tu consommes pas, mais qu'est-ce que tu penses pour les mecs qui consomment, quoi? De toute façon, je trouve qu'il y a une démesure, tu vois. C'était quoi je reprends la base du projet de loi, c'est leur prendre leur véhicule, leur portable. Et, le scooter. Mais de quoi on parle excuse-moi, quoi. C'est ce qu'on lui a dit. Et puis de toute façon, je pense que ça ne changera rien, en fait. Hein, mm. Et qu'on ira encore moins aux urnes, tous autant qu'on est, quoi. Enfin, pour prendre le problème par là, quoi. Ouais. Tu te rappelles que je suis venu vendre un DVD, là. Parce que, je sais bien. C'est un truc que j'aime pas faire. Et, ouais. Donc. Faisons-le et puis après on se dit des conneries tant qu'on veut. Ouais, tu veux vendre ton DVD? Un peu. Ouais. Enfin. Mais un peu. Non, c'est surtout, en fait, plutôt que de le vendre, j'aurais que beaucoup de gens le voient, quoi. Ouais. C'est-à-dire que si on pouvait le diffuser sur les places publiques, à la limite, je serais plus riche. Ouais. Oui, c'est vrai. Sans faire payer l'entrée, bien sûr. Marietto, Serge. Ça s'appelle With the Boss. C'est le dernier DVD du boss. Franck du boss? Hein? C'est ça, oui. Donc, ça s'appelle With the Boss. C'est Joey Starr et son collectif sur DVD. Alors, il y a un documentaire, hein?
Bah, vends-le ton truc là. Non, mais c'est un peu abstrait là, le truc. Bah, c'est le teaser, ça. Bah, c'est le teaser. Ouais, c'est le teaser, ouais. Mais moi, le teaser, en fait, je l'ai vu après avoir vu tout le truc. Donc, forcément, ça me parle un peu plus. Et puis, je suis protagoniste, donc ça me parle vachement plus. Ouais. C'est en fait, nous, en Sound System, c'est des soirées itinérantes qu'on fait à plusieurs DJ. J'ai avec moi un collectif de DJ, plus un collectif de rappeurs. Donc, c'est entre autres, nous, en Sound System, nous, en studio, chez nous, dans la cave. Nous, sur ce show de radio qui a lieu deux fois par semaine, tout en sachant, par exemple, le samedi, on fait des pics où on est premier national. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Ouais. Même nous, ça nous surprend. Et enfin, tout ce qu'on fait autour, quoi. Je pense qu'on est un des crews de hip-hop parisien les plus actifs, en fait. Bah, le premier, parce qu'on est... Je te laisse le dire. Bah, il n'y en a pas d'autres. Parce qu'on est un peu... On fait du live, on fait de la prod, on est en même temps éditeur de nos trucs, on essaie de contrôler la machine au possible, quoi. Notre but, il y a 15 ans, c'était de n'avoir que ça à faire, et ben aujourd'hui, on y est, et puis c'est ce qu'on voulait montrer, quoi. Voilà. On est des gens simples. Voilà. Alors, dans ce DVD, qui est un double DVD, il y a Joey Starr, vu par 14 personnalités, il y a Cool Chen, il y a Eric et Ramsey, il y a Edouard Baer, il y a Béatrice Dalle, qui dit des choses formidables sur vous. Et c'est vrai que Béatrice Dalle, elle vous a découvert bien avant les autres, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que qui vous êtes. Bah, elle l'a fait il y a longtemps. Béatrice, elle est venue nous voir quand on jouait dans des kermesses. Quoi, ouais. Elle était là encore après. Quoi, donc, voilà, quoi. Puis je pense que c'est pas que seulement moi qui regardais. Je pense qu'elle a réussi à capter l'énergie qu'il y avait sur le truc. Enfin, ça lui plaisait. Quoi. Comme elle dit, on était plus rock'n'roll que les autres. Donc je pense que c'est ce qui lui a parlé. Quoi. C'est vrai que tu l'appelles Jean-Claude ? Je suis pour l'égalité des sexes, donc la parité, c'est ça chez moi. Voilà. Marietto, Serge. J'étais vraiment peu connue quand je l'ai rencontrée en 92, je crois. Donc, mais ça s'entendait le discours qu'elle avait, que c'était pas juste. C'est sûr que je le trouve infiniment séduisant, mais ça suffit pas, quoi. Il y en a plein dans les magazines, des mecs séduisants. Après, il a le sourire shine, mais Dieu sait si l'esprit est shine, et c'est surtout ça que je trouve séduisant, quoi. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est ce que j'entends maintenant, le concernant, sur les critiques, le concernant, qui sont pleines d'éloges, qui trouvent plein de poésie chez ce mec-là. Je me dis qu'on n'avait jamais écouté ce qu'il pouvait dire avant, parce que j'ai toujours trouvé qu'il était infiniment poétique, avec ses mots à lui et l'origine d'où il vient, évidemment, quoi. C'est aussi pour ça que les gens l'aiment et le respectent à ce point-là. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait pas galvauder, qui sait pas... qui intègre. Et malgré tout, comme quoi l'intégrité paye, parce que le succès qu'il a en restant comme il est, c'est bien. Je crois qu'on comprend maintenant un petit peu. Je dis, ce qui m'étonne juste, c'est comme si on découvrait ça maintenant, ce que je trouve dans les dernières promotions qu'il a pu faire en certaines émissions. On dit, merde, le mec est brillant. Ben oui, mais ça fait, moi, 10 ans que je le connais, 10 ans que j'entends qu'il est brillant. Et lui, il aime cette expression, l'amour, ça crétinise. Et bien moi, je lui dis toujours que non, je trouve pas. Moi, personnellement, ça me rend clairvoyante. J'ai un ego qui fait peur comme le sien, attention. Et je sais plus ce que je dis, tellement je suis émue de parler de lui. Mais qu'un truc qui le représente, c'est un vainqueur, Didier. C'est un... Quoi qu'il fasse, il va gagner un combat et il a toujours le menton en l'air, comme ça, vers les étoiles. Et ça, il le fait. Et c'est bien, quoi. Je suis fière de ça, infiniment. Béatrice Dalle, donc, dans le DVD With The Boss. L'une des personnalités qui parle de Joey Starr. Elle parle très bien de toi, je trouve. Et peu de gens, en fait, ont compris ça sur toi. Il y a eu un sondage dans VSD l'année dernière. Tu étais le deuxième Français le plus détesté des Français derrière Le Pen. Comment t'expliques ça? VSD, ouais. Voilà. Et je ne vis pas dans le même monde, enfin... Ouais. Bref. Qu'est-ce que tu leur dis aux gens qui pensent que tu es le Français le plus détestable après Le Pen? Rien. T'as rien à leur dire? Non. Non. Je travaille pas le capital sympathie. Hein. Ouais. Ça c'est clair. Ouais. Je suis pas. C'est pas mon fonds de commerce. Ouais. Mon fonds de commerce à moi, c'est toujours la même chose, quoi. C'est traduire l'urgence, quoi. L'urgence des gens, enfin du petit personnel, comme j'aime à dire, on va dire. Voilà, quoi. Là où les gens vont commencer à t'aimer, c'est quand ils vont te voir en string dans le film de Chabat, le film des Robins. Je ne suis pas en string. Ah bon? Non, je suis habillé... facile. Sous l'histoire, j'ai un string, c'est vrai. Bon. Ouais. Je fais partie de la tribu des feuillages. Ouais. Bon, voilà, je te laisse imaginer le reste. Voilà, quoi. Ça va être quelque chose, ce film.
T'es prêt pour l'interview suicide? Non, pas forcément, mais vas-y, essaye. C'est moi qui me suicide. Interview suicide! Joey Starr, bonsoir. Vous allez en forme, là, Joey Starr. En tout cas, les gens sont crispés, ils ont arrêté de faire l'amour. Ah, ben, je comprends. Les gens sont tendus. Je vais me faire massacrer au bout de trois questions, si tu veux. Joey Starr, bonsoir. Vous allez en forme. Comment ça va? Vous sortez de prison, là? Si c'est pour des questions comme ça, j'ai autre chose à foutre, ça arrive. Vas-y, ouais. Vas-y. On quitte des vrais trucs. C'est bien, moi, j'aime bien l'accident, en plus. Ouais. Tu auras traduit par toi-même. J'aime bien l'accident, ça veut dire tu vas saigner du pif. T'es, t'es conscient de ça. Dites-moi, Joey Starr, ça fait longtemps que vous n'avez pas frappé une hôtesse de l'air. Vous prenez le train ou quoi? Non, ça me manque. Comment va votre singe, Joey? C'était pas le mien. Ouais. C'est vrai que vous l'avez mangé en vrai? En fait, je suis allé au Bénin. et là-bas, on moleste la viande de singe avant de la déguster, mais c'est dans une conjoncture spéciale. Donc, ouais. Voilà. Mais c'est bon, la viande de singe. Hein, ça a la texture du poulet, c'est pas mal. Ouais. Ah ouais? Il n'y a pas des maladies Ah non. Ah bon? Ce qui paraît, c'est par le singe qui est arrivé le sida. Ouais, le singe vert. Enfin, dès qu'on le fait cuire, normalement, c'est ça bon. Devrait bien se passer. Quoi. La maladie de Roosevelt Jacob. Un jour, je suis allé chez des amis à moi guyanais, j'ai mangé. Enfin, c'était marrant, quoi. Il y a les grands-parents qui étaient arrivés, tac-tac. Mais c'était bien avant l'histoire du singe. Hein. Ouais. Et comme on dit chez nous, ils ont ramené du bon manger, tac-tac. Donc, ils ont ramené des trucs dans de l'alu, ils arrivaient la veille. Et ils font chauffer un truc, ils l'ouvrent, et c'était un singe, et on se servait en fait, il y avait de la farce à l'intérieur, on se servait avec la pâte qui était grillée. Ce qui était assez bon. En fait, on le tape pour attendrir la viande alors. Et c'est toi ou lui qui fait l'interview suicide? C'est. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je crois qu'on va changer d'interview. Non, là, je suis brisé par ce genre comme signe, moi. Bon, bah, on rallume, c'est un mal de se terminer. Voilà. On va faire une autre interview, je crois que c'est mieux. Moi, je veux bien faire une meilleure sur le singe. Hein, on va faire l'interview Guimauve. Ça sera mieux. C'est tout. Interview Guimauve, Joey Starr. C'est quoi votre fleur préférée? Le singe. Pour vous, Joey Starr, c'est quoi la soirée idéale à deux? Avec un singe. Hein? Un singe. Quelle est la chose la plus romantique que vous ayez fait dans votre vie? Bah, contrairement à ce que tout le monde croit, je ne suis au possible, donc j'en fais plein. Ouais. Non, mais souvent on le croise avec un petit bouquet de fleurs, un bouquet de violettes, ça c'est oui, vrai. Bien c'est vrai sûr, qu'on ne connaît pas, mais qui est comme ça bien, dans la vie. Bien sûr. Et je le tiens dans la bouche en plus. C'est quand la dernière fois qu'une femme vous a blessé, Joey? Enfin, au sens figuré, bien sûr. Quand elle a porté plainte, c'est vexant. Tiens, t'as une autre question? Joey, c'est l'interview Guimauve. On se fait un bisou? Écoute. J'ai horreur. Pour moi, si tu deviens tactile en plus, ouais. Ça va mal se passer. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je n'ai pas des manières. Le premier documentaire sur le boss. Pour les tournants, double DVD, moi, mesdames, messieurs. Je vais jouer. J'ai risqué le bagne, faut l'avouer. Non, ça fait chier de venir à la télé, là. Grave. Franchement. T'as l'impression de quoi? Tu sais quoi, je devais faire un film. Ouais. Et j'ai compris qu'après, il aurait fallu que je le vende. Ouais. Et j'étais 10 fois plus inquiet par ça que par faire le film. Mmh. C'est un exercice que j'aime pas du tout. Ouais. C'est pas mal pourtant. Comment? Mais t'es pas comme les autres, donc si tu veux, c'est sûr que ça fait le trou. C'est qui les autres? C'est Gynéco? Ouais. C'est ça. With the Boss. Le premier documentaire sur le boss. Non. Tu la ramènes moins quand c'est Joey Starr, toi, hein? Bah, je suis comme tout le monde, j'ai très peur. Je crois que c'est clair. Non, mais il sait que je suis amoureux de lui, donc c'est normal. Ah, il y a un truc entre nous. Vous faites pas un bisou tous les deux, non? Nous, on marche entre hétéros, donc on n'a pas besoin de. Bah, on a besoin d'être comme ça, quoi. Ouais, tout se passe bien, quoi. On va péter ta rondelle quand même. Voilà, With the Boss, le premier documentaire sur le BOSS. Ça veut dire quoi, BOSS? BOSS, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Boss of Scandal Strategy, c'est pas grand-chose, en fait. Ouais. C'est ça? C'est la stratégie par le scandale. C'est plus on fait de bruit, plus on montre qu'on existe. C'est un peu comme les chiens, quoi. On pisse dans les coins, sauf que nous, on fait pipi sur les autres aussi, un peu. Ouais. Enfin, ceux qui nous emmerdent, surtout. Ouais.
T'as plus tes dents qui me faisaient peur. Non, aujourd'hui c'est dimanche, donc. Ouais. Pourquoi ça te faisait peur? Tu te voyais dedans? C'est ouais. Ça je me voyais okay. Dedans, tout petit, et toi en très grand. Okay. Et maintenant. Voici Gérard Louvain. Gérard Louvain, bonsoir, vous connaissez tout bonsoir. Le monde, Joey Starr, donc Julie Delpy, Jean-Jacques Debout, Laurent Baffy, Gérard Louvain, alors producteur de Sacré Soirée, à l'époque présenté par Jean-Pierre Foucault. Alors, Foucault a été très très fidèle avec vous, puisque vous travaillez toujours ensemble, Gérard, hein. Ce qui n'a pas été le cas de Deux Chavannes, parce qu'au départ vous produisiez Ciel mon mardi, et ça a pas continué. Si, si, ça, bah, j'ai quand même produit 2 ans, puis ouais. À un moment, Christophe m'a dit... J'ai envie de me produire, ouais. ce qui arrive à tout le monde. Ouais. Vous devez faire 50-50, il a dit « Oh, mais moi, je préfère 60-40 ». J'ai dit « Moi, je vais avoir 50-50 parce que Christophe, avec son petit caractère, ouais. Je voulais avoir un peu le dessus. Ouais. » Et on s'est séparés, archi bons amis. Voilà. Et on est très bons amis. Alors, Gérard Louvain, un producteur également des années tubes, hein, mais aujourd'hui moins impliqué dans la télévision, quand même. Enfin, moins impliqué, ouais. Moins directement, disons. Moins directement, mais... Votre société... Produit L'île de la Tentation, Le Millionnaire. Greg, c'est vous le millionnaire, Greg? C'est moi, ouais. Vous saviez pas que c'était un repris de justice avant d'engager? Non. Ouais. Et vous l'avez pas dit, le mec? Non. C'était pas mal en même temps. Oui, je le comprends en plus. Ouais. Ça a fait le succès de l'émission, non? Bien sûr. Ouais. Voilà, donc, mais en fait, Gérard, sérieusement, vous n'êtes pas fan, vous le dites vous-même d'ailleurs, de télé-réalité. Vous dites, je ne suis pas fan, mais c'est mon boulot, je produis ce que les gens veulent voir. Je suis un homme de spectacle, je fais du spectacle depuis longtemps, j'en fais encore beaucoup. Et c'est vrai que je suis de la télé, télé-spectacle. Et c'est vrai que c'est une télé que je respecte, c'est une télé qu'il faut faire, puisque le client, le téléspectateur la demande. Ouais. Vous dites, par exemple, quand j'étais cuisinier, moi, je n'aimais pas la moutarde. Mais voilà, mais le lapin à la moutarde, je faisais quand même du lapin à la moutarde. J'ai horreur de la moutarde et je goûtais le lapin à la moutarde parce que il fallait bien... Gérard, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à n'importe quoi? C'est de dire, moi, je n'aime pas ça, mais je le fais parce que les gens veulent voir ça. Ce n'est pas que je n'aime pas ça, je ne connais pas. Ouais. Donc, moi, quand on parlait de télé-réalité, vous, certainement aussi, il y a 2 ans, 3 ans, moi, on disait... Pas, ouais. Non, mais il y a 3 ans, on disait jamais en France, jamais en France. Comme on a dit, je me rappelle à une époque, jamais de jeu d'argent en France. La roue de la fortune, moi je me rappelle, on disait jamais de roue de la fortune, jamais un jeu d'argent sur TF1 ou France 2. Maintenant, il n'y a que ça. Ouais. Donc ça arrive. Bah, demain, s'il faut faire autre chose pour le public il regarde à 63%. Vous savez ce que c'est, 63%? C'est 6 spectateurs sur 10. Alors si on ne respecte pas ces gens-là. Mais enfin, si le public il veut, je ne sais pas, un jour voir. Qu'on tue des gens non, ou quand... Non, bah, le public, il n'est pas aussi con qu'on dit. On y viendra quand même. Non, non. Bah, bien. Alors, à part ça, Gérard, vous organisez les tournées de la Star Academy, mais là aussi, vous avez des réticences parce que vous dites il faut ramer 10 ans pour être au top. Si on ne prend pas le temps de gravir les marches, ben, on ne reste pas longtemps sur le perron. J'ai une phrase qui... Moi, j'en ai une vraie. Hein. Sur quoi? Ben, sur ça, quoi. Parce non, que non, moi, je vois, j'ai roulé en Loué-Valem où ça sentait les pieds, on était 15 dedans pour 8. Aujourd'hui, ils arrivent, l'hélicoptère, quoi. Ouais. Donc, à mon avis... Mais Gérard, il est plutôt de cette culture-là, la culture des gens. J'ai découvert Florent Pagny. J'ai découvert Florent dans un bar. Hein, il était serveur dans un bar et il chantait dans un bar. Déjà, on a mis 5 ans pour trouver un titre. Ouais. Quand on a sorti le titre, on s'est fait jeter de partout. Pendant 6 mois, toutes les radios, il n'y a aucune radio qui voulait passer le disque. Ce serait maintenant, je ferais tout pour qu'il fasse Star Academy. Ouais. Il gagnerait un temps fou. Ouais. Mais ça n'empêcherait pas qu'il ait du talent, Florent Pagny. Alors, en dehors de la télé, Gérard, vous êtes producteur d'artistes. Pierre Palmade, Muriel Robin, Anthony Cavana, Florent Pagny, Michel Leb, Maxime, André Rieu. Chasser l'intrus. Denis Maréchal, qui est au Splendide en ce moment. Et Marc Cologne, que j'aime beaucoup. Ouais. Marc Cologne, c'est un spectacle qu'il faut absolument aller voir. C'est Folie Bergère. C'est génial. Je ne sais pas si tu connais ça. Boulain c'est de un mec qui rentre dans l'écran, qui sort de l'écran. Ouais. C'est du cinéma-théâtre. Il parle à un écran. Il y a Miu Miu dans le film. Il y a Tiki Elgado. Ils ne sont pas sur scène. Alors, vous êtes producteur de films aussi, producteur bientôt du dernier. Pierre Salvadori, qui vous avez déjà fait les apprentis. Alors, le film s'appelle Après vous, avec Daniel Auteuil et José Garcia. Propriétaire de théâtre, propriétaire du théâtre Fontaine avec Michel Larocque. Hein. Propriétaire de radio, Voltage FM, MFM. On peut se parler après vous D'accord. Avec Gérard Louvain, on a fait fort. Si, j'y vais pas les bonjours, à mon avis. Producteur aussi, Gérard Louvain, de comédie musicale, donc gros succès avec Roméo et Juliette.
Et vous remettez ça à partir du 26 septembre au Palais des Congrès. Moi, tu ne m'assures pas comme ça, moi. Quand hein je... ah, ouais. hein moi, tu ne me m'assures pas comme ça, moi. Tu ne parles pas de, du nombre de ventes, les... combien j'ai rempli. J'ai encore joué à Toulouse, là, derrière moi, avec plein de gens. Si il a raison. Dans, hein. dans le plus gros je trouve que je masturbe mieux, Gérard, que toi. Exactement. Il y a gros l'échange de cul. D'accord. D'accord. Vous remettez ça, je continue à le masturber. Mon petit Gérard, bougez pas, bougez pas, je m'occupe de tout. Mon petit Gérard. Alors vous remettez ça à partir de... Mais là, c'est même plus de la masturbation, c'est de la fellation. Moi aussi, je peux me plaindre d'ailleurs là-dessus. Mais plains-toi, oui. Tu trouves que je t'ai pas assez fellationnel? Non, mais attends, ça peut s'arranger. Alors là, si tu veux autant de Joey, ça va être plus compliqué. Toi, il n'y a pas de problème. Jean-Jacques, tu veux dire un mot? Tu sais, comme on dit chez nous, la négritude, c'est un luxe, ça va être compliqué si tu veux me fellationner. Il faut avoir une grande bouche pour te fellationner. Hein? Hein? Ça bon, change, hein? Alors, Louvain, oui, tu es prêt là? Bon, allez, ça, 26 septembre, Louvain, avec les demoiselles de Rochefort. Voilà. Oh, mise en scène. Attends, alors, les je t'invite. Mise en scène de Reda avec 10 chansons inédites de Michel Legrand, Alain Boublil. Alors, qui remplace, parce que là, tout le monde attend, évidemment, qui remplace Deneuve et d'Orléac? Elles sont irremplaçables déjà. D'accord, donc c'est réglé. Non, non, c'est Frédéric Coll et, Frédérica et Mélanie. Ouais. C'est deux petites jeunes filles de 18 ans. C'est pas beau, ce donc elles dansent, elles chantent, elles jouent la comédie. Ce qui n'était pas le cas de D'Orléac et Catherine Deneuve qui ne chantaient pas. Gérard, tu vas pas nous expliquer qu'elles sont mieux que Deneuve et D'Orléac? Non, 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 mais être sur scène, il faut rassurer là. Il faut qu'elles chantent, qu'elles dansent, qu'elles soient mignonnes. Casting de près de 200 filles. On a trouvé deux perles. Voilà. Pour un salaire ridicule. Ouais, ridicule. Bah oui, elles ne sont même pas sur l'affiche. Non, elles ne peuvent pas être sur l'affiche. Elles ne sont pas sur l'affiche. Non, non. Elles sont pas sur la vedette, l'affiche. C'est les demoiselles. C'est les parapluies, les demoiselles de Rochefort. Alors, vous n'avez pas gardé les arrangements de jazz de 67 parce que vous dites qu'il faut remplir une salle de 3700 places tous les soirs. Donc les arrangements de jazz du début, on les... On ne fait pas du 67 en 2003. Enfin, ouais. Non. Je pense que si Demi avait fait le film maintenant avec Michel Legrand, il ferait les arrangements de maintenant. Il ferait du jazz, mais du jazz comme on l'a fait nous. Bon. Du jazz de l'an 2003, avec des arrangements... On est tous très inquiets quand même, vous êtes d'accord? Oui, ouais, mais vous avez tort. Et bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Vous avez archi tort. Franchement, quoi. T'es inquiet toi aussi? Oui, je suis inquiet, Vous avez tort. On va regarder. Ah, on peut regarder? Ouais, on va regarder. J'ai voulu voir la ville où mon amour d'antan avait connu le jour. Je m'y suis installée avec mes souvenirs épars et désolée. Ouais, les demoiselles de Rochefort en ce moment au Palais des Congrès, mesdames, messieurs, voilà. Alors, on va faire un petit test comparatif avant, après. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Après. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol. Nous sommes deux sœurs jumelles. La première version, là, la version avec Deneuve. Moi, je préfère la première version, la quoi. Version avec les, et les trucs avec les all right derrière et les machins. Et Ce que pense Joël Star, je m'en fous un peu. Ah, ça m'étonne pas. Moi, je pense que c'est la gueule à Gérard Louvain. Gérard, il fait populaire. Non, non, je m'en fous. Normal. Tu t'en fous. Moi, j'adore. Non, mais. Ça reste un avis. Moi, j'aime pas ce que tu fais. Tu dois pas être bien dans ton slip. Après, ça regarde. Non, non, mais je sais pas ce qu'il fait.
Ben ah, voilà. Ça y est, c'est parti, boum. T'es dans le métier, tu sais pas. Mais ça n'a rien à voir. Moi, non, 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 mais c'est que tu dois pas aimer ton slip. Moi, je disais juste, je préfère. J'ai pas dit. Après, ce que j'en pense, je sais bien qu'on s'en bat les couilles. Quoi, non, mais je pense quand on est en 2003, je pense qu'on doit faire du truc quand même un peu plus récent qu'en 67. C'est Michel Legrand qui il est toujours là, Michel Legrand. Oui, c'est le même Michel Legrand. C'est le même Michel Legrand. C'est qui Michel Legrand? Ouais, c'est grave. C'est celui qui a fait ça, Michel Legrand. Nous sommes de sœurs jumelles, nés sous le signe des... Puis il a fait ça aussi. Nous sommes de sœurs jumelles. Michel Legrand. Mais attends, moi, Michel Legrand, c'est Barbara Streisand. Il y a une chose sur laquelle on ne peut pas s'entendre, et c'est sûr, c'est que l'arrangement qu'il a fait, ce mec-là, il est peut-être bien. Moi, ce que j'étais juste en train de dire, c'est que le grain de la première version, parce que c'est orchestré avec des vrais instruments, mais c'est le même. Hein. C'est pas forcément des vraies guitares qui jouent. Oui, c'est tout. C'est faux, c'est ça. C'est... Non, mais c'est faux, Joël. Non. C'est violon, c'est cuivre. Il y a un bout d'analogique là-dedans. Non. Il y a un bout d'analogique, oui. Il y a un bout d'analogique qu'on n'avait pas en 67. Mais attends, c'est moi qui ai fait les séances. Je le sais. T'as un orchestre de 70 musiciens. Donc, non, je blague pas. Eh bien, je me trompe. Non, je jurais. Juré, t'as 70 musiciens. Donc, ça, c'est Les Demoiselles de Rochefort. C'est en ce moment. C'est en ce moment et c'est un super spectacle. Et ça marche bien et il n'y a pas de souci. Et si Joël Star, il va pas, tu t'en fous. Non, j'aimerais bien qu'il vienne, au contraire. Moi, je viens de ces gars-là, il vient. J'emmène ma mère. Hein, ouais, parce que elle va adorer ta mère. Ces trucs-là, je le fais qu'avec ma mère. Voilà. D'accord. Chiche, hein. Chiche. Ah. Ouais, enfin, c'est pas un problème. Hein. Écoute, je fais les 10 commandements. C'était pas évident. T'as amené ta mère aux 10 commandements? Bien sûr. Mais Thierry. Oui, Jean-Jacques. Moi, il y a une chose que je comprends. Oh là là, il est bourré. Non. Il y a une chose que je comprends pas en France. C'est pourquoi on peut pas rouler sans Gérard. On condamne des spectacles sans les avoir vus. On se base sur un plateau de télé, sur un film qui est fait, on sait pas, enfin dans une cour. Mais moi, je pense qu'un spectacle, on peut vraiment le juger qu'en allant dans la salle et en allant le voir. C'est quoi cette espèce de mode qui condamne des spectacles sans les avoir vus? On dit un tel, oh, c'est foutu, ça marchera pas. Celui-là, tiens, ça loue vachement, ça va marcher. Non, il y a une loi, comme c'est la loi de Broadway, c'est la loi des comédies musicales et des gens qui savent les faire. Il faut aller dans la salle, il faut voir les artistes chanter sur la scène. Et là, vous pouvez vous faire une opinion si le spectacle est réussi ou pas. Exactement. Maintenant, on ne juge pas comme on juge sur une étiquette d'un truc de fromage. Un, deux, trois. Oh. Merci Jean-Jacques Debout pour ce grand moment de télévision. Joey. Non, mais pour alimenter ce qu'il vient de dire, je pense que des fois, si vous étiez au courant du score qu'on fait, par exemple, on est parti au Portugal. Il s'en branle, il regarde pas. Je sais bien, c'est pas beaucoup. On est parti au Portugal, par exemple, pour faire deux dates, l'été dernier. On s'est retrouvé à en faire une troisième, comme ça, sur le vif. D'un seul coup, on a fait 7000 personnes qui sont, en fait, c'est l'été, qui sont que des gens. Qui sont en vacances au Portugal, des Français qui sont au Portugal. Je pense que s'ils étaient au courant du score qu'on fait en sous-marin, à mon avis, peut-être qu'on les intéresserait. Ouais. Mais peut-être que nous, ça ne nous intéresse pas aussi. Ouais. Mais vous allez tomber d'accord, faut voir les avocats, faut voir les... À mon avis, ouais. On fait exactement le même métier. On fait le même métier. Ils ont les mêmes. On pourrait tous se donner la main, là. Ce serait pas mal. Mais est-ce que Julie Delpy va vouloir? Parce que vous êtes seule, toute seule. Regarde, tu vois, on pourrait tous se donner la main, on pourrait partager ce moment d'émotion, tous ensemble. Qu'est-ce que tu caches? Quoi? C'est mes... Je sais pas. Vas-y, crois-tu la vie. Prends le dépêche sur nous, il veut voir Blondie. Ça c'est pour toi, regarde. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je suis pas des manières. Génial, Didier. Bon, allez, mes enfants, allez, on rigole pas, non, on doit finir cette émission maintenant. On doit aller dîner ensemble après Julie, hein. Ah bon? D'accord. Attention, je suis sado. Voilà, les Demoiselles de Rochefort, en ce moment, au Palais des Congrès, mesdames, messieurs, une production Gérard Louvain. Une production Gérard Louvain. Et maintenant... Voir les comédiens, voir les musiciens. Voici Pierre Arditi. Yes. So crazy right now. Ah.
bonsoir. Comment ça va, Pierre? Joey Starr, Julie Delpy, Gérard Louvain, Jean-Jacques Debout, Pierre Arditi qui arrive du théâtre. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé? Pas mal. Ils ont applaudi à la fin? Pas mal. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ah, ça c'est bien, c'est oui. rare. Bien, Laurent. Tu sais ce que j'aime chez toi? Ouais. C'est que je rencontre des gens que ma mère aurait voulu rencontrer. Voilà, et je suis d'accord. Pierre, en plus, je suis d'accord. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis d'accord. Non, non, très sérieusement. Vous allez devenir très copains tous les deux. Fais gaffe, Joey. Non, Gérard Louvain, mais... Pierre Arditi, fais gaffe, non, ton image. Louvain, c'est un état. Laurent, est-ce que tu peux donner une carte de bon client à Pierre Arditi? Parce que c'est vraiment le bon client type. Vous savez, Pierre, que la chaîne fait des études sur les invités des émissions. Vous êtes oui. au courant de ça? Non. Et alors, il y a une étude qui a été faite sur les invités de l'émission l'année dernière et vous arrivez largement en tête. C'est marrant. C'est effrayant, ça. Alors, la chaîne fait... Voilà, une carte de mon client, il la mérite. La chaîne fait des études. Alors, les points clés que l'étude nous a transmis, c'est charme fou, d'ailleurs, sens de l'humour, oui. avis sur tout. Ah oui, ça, bien sûr. L'invité idéal. Bon, voilà. Écoutez. Pas besoin de vous interviewer, les gens sont ben heureux. Je vais donc ça... repartir, je vous remercie parce gens, que ça m'arrange. Les gens disent... Merci beaucoup. Les gens sont heureux de voir Pierre Arditi. D'ailleurs, Serge, si on pouvait faire un gros plan, parce qu'en fait, les gens, la seule chose qu'ils veulent, c'est voir voilà. sa gueule. Voilà. Là, ça va commencer à baiser. Voilà, est-ce qu'on peut voir la gueule oui, de Pierre, c'est tout. Il gratte le mien. Oui, voilà. C'est même pas la peine de parler. Les gens voient sa gueule, ils sont contents. Déjà, voilà, c'est marrant. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Voilà, les gens sont heureux. C'est à quoi voilà. ça tient, finalement. Ça commence écoutez, à baiser. Ça baise un peu, là, ouais. ouais. Ah, est-ce oui. que vous pourriez. Faire un petit bisou. voilà. voilà, très bien. Oui, les Pierre, gens adorent ça. C'est lamentable, c'est nul. à chaque fois oui. qu'il vient. c'est lamentable. Je vous remercie parce que maintenant je ne peux plus me trimballer nulle part sans ouais. que tout le monde me dise ça. C'est lamentable. C'est vraiment très agréable. Bien. Alors il y a un truc quand même que les gens ne comprennent pas bien, Pierre. C'est votre accent. Non, c'est d'où pas vient ça. C'est que vous avez déclaré il y a longtemps, bien sûr, mais Sarkozy, je ne suis pas complètement contre. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai dit simplement qu'à un moment donné, sur certains points très précis d'ailleurs, qu'on peut énumérer ici si vous vous y tenez absolument, je n'étais pas absolument contre. Quand il supprime la double peine, c'est lui qui le fait et je regrette que la gauche ne l'ait pas fait avant lui. D'accord. Vous serez d'accord avec moi là-dessus. Tout à fait peut-être, d'accord, bien j'imagine. Sûr. Bah oui. Bon. Hein. Quand il se décide qu'à un moment donné, les mecs qui pensent que la puissance de leur voiture est inversement proportionnelle au coefficient de dilatation de leurs zipettes, d'une certaine manière, ça ne me choque pas vraiment. Moi, on est... Hein ? C'est facile, c'est nul, nul. Fais attention aux gens, quand même. Non, mais... Bien. Non, sérieux, non, Pierre. Non, parce que vous savez bien que Sarkozy... qui a fait des trucs bien, effectivement, comme la suppression de la double peine. Mais est-ce que, par exemple, quand il dit qu'il faut des amendes pour les pétards, bon, fumer un pétard, vous avez une amende de 10 000 balles. Plus confiscation du portable, plus confiscation du scooter. Oui, ah. non, c'est sans doute pas la solution. Oui. Non, non, sérieux. Vous ne pouvez pas le suivre là-dessus, Sarkozy. Il est emmerdant. Ah, il sort du théâtre, Immédiatement. Le premier truc à faire à quelqu'un qui sort du théâtre. Alors Sarkozy, Thierry, il faut offrir à boire à quelqu'un qui sort de scène. Non, mais je ne suis pas forcément d'accord avec. Merci, c'est quoi ça? C'est quoi? Il a craché, il y a un peu de tout. Hein. il y a un peu de tout, oui. De l'eau. Oh putain, c'est monstrueux ça, oui. C'est la mort. Heureusement je ne conduis pas, moi. Oui. Bien, non, mais je ne vais pas vous emmerder, simplement, oui, c'est si vrai vous qu'on pouviez, peut... Si vous mais pouviez, non, non, si on non, pouvait juste parler. Le conflit israélo-palestinien. en 30 secondes. Ils sont emmerdants. Mais rapidement, oui. hein. Oui. Non, mais la suppression des prostituées, par exemple, vous êtes d'accord? Et la confiscation des portables pour les prostituées et des non, scooters. Non, c'est pas la suppression des prostituées. C'est pas comme ça qu'on peut définir... Ben, ils les enlèvent des quartiers chics parce que ça fait sale, quoi. Non, ils essayent de... Je pense qu'ils essayent de... De régler le problème comme ils peuvent, et c'est pas simple, et je me demande. J'ai encore mon adage. Comme dirait Omar Sharif, la prostitution, c'est mon dada. Non, sérieusement, Pierre. Oui. La suppression des prostituées. Non, c'est pas la, la suppression des prostituées, c'est l'abattage. C'est tenter de réguler la prostitution, ou en tout cas de faire que la prostitution, qui dans certains cas peut être assimilée à un esclavage, parce qu'un certain nombre de ces jeunes femmes ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'on leur demande de faire, on peut tout de même raisonnablement se poser la question de savoir si
on ne pourrait pas essayer de voir si on ne peut pas faire autrement, quand même. Ce n'est pas une question absolument indigne. Mmh. Hein? Parce que les moyens employés sont bons, je ne peux pas vraiment répondre. Mais en tout cas, le fait qu'on se préoccupe du problème n'est pas en soi une tare, très honnêtement, non. Mais oui, Pierre, voilà. Non, mais je vous dis. Non, mais vous me demandez ce que je dois vous dire. Pierre. Moi, j'ai un avantage, non. C'est que si vous me posez une question, voilà. Je vous réponds. Et ben voilà. Comme et je n'ai pas besoin de me faire élire, je peux dire ce que je pense. Ce que j'aime chez vous, ce que j'aime chez vous, c'est qu'au début, vous vous défendez un peu, et après, vous nous faites 7 sur 7, et j'adore ça. Bien. Alors, Castro, je ne parle pas de Castro, parce que lundi, c'est-à-dire après-demain, à 20h30, vous êtes au Théâtre du Rond-Point, à l'appel de Reporters sans frontières. Ouais. Le lendemain, toujours au Théâtre du Rond-Point, donc, et du mardi au samedi, à 20h30, sur scène, avec Ariane Ascari, de Pierre Arditi, vous interprétez une pièce qui s'appelle Mathilde, une pièce de Véronique Olmy, mise en scène par Didier Long. C'est après 3 mois de prison, suite à un détournement de mineur, le garçon avait 14 ans, Mathilde, qui est jouée par Ariane Ascari, qui a 40 ans, qui est écrivain, revient chez son mari, Pierre, c'est joué par vous, qui est cancérologue. Et elle comprend pas que le désir et le plaisir soient punis par la justice. Oui, enfin... C'est... Pour elle, l'acte sexuel, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de naturel, et elle comprend pas que ce moment ait été puni de 3 mois de prison. Pas, c'est qu'elle cède à ce désir de ce jeune homme ou de cet enfant en cours de fabrication, parce que simplement le désir est là. Et donc elle cède à cette tentation, ouais. C'est puni par la loi, ça s'appelle un détournement de mineur, elle fait 3 mois de tôle, et elle revient chez elle, et elle vient récupérer des affaires, et dans ses affaires, évidemment, il y a son mari, qui s'appelle Pierre, qui n'est pas allé la voir en prison. En réalité, on apprend à la fin de la pièce qu'il est venu, qu'il n'a jamais réussi à rentrer parce qu'il ne pouvait pas. Et en fait, elle vient non pas en état de culpabilité par rapport à ce qu'elle a vécu, mais elle vient au contraire pour asséner cet acte-là qu'elle revendique comme quelque chose d'aigu dans sa vie. Elle donne beaucoup de détails sur la façon dont ce jeune garçon de 14 ans lui a fait l'amour. Elle dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir, qu'elle n'avait jamais pris autant de plaisir avec un homme oui. qu'avec ce jeune garçon de 14 ans. Oui. Ça doit être dur à jouer quand elle lui dit, non, par exemple, dur, oui. lui me prenait par derrière. Non, elle ne le dit pas. C'est lamentable. Voilà. Écoutez. Et alors, lui, il a tout perdu à cause d'elle. Il a perdu son image, il a perdu ses amis, il a perdu oui. ses passions. Oui, mais il gagne quelque chose d'autre. Ouais. Il gagne quoi? Il gagne peut-être quelqu'un qui lui dit que la vie mérite d'être vécue autrement et pas seulement dans une sorte de confort endormi d'une situation confortable où on finit par ne plus regarder la femme avec laquelle on vit, on finit par la prendre pour une lampe qu'on allume et qu'on éteint au gré de, son, de sa non-envie. Il gagne ça, c'est fondamental ce qu'il gagne. C'est mieux que la clientèle, franchement. Alors, une grande qualité, vous, Pierre, c'est votre ouverture au monde des femmes. C'est vrai. Oui, je sens que vous allez... Oui, merci. Vous savez quoi? Oui, je sais, je ouais. sens, oui. On va oui. faire une interview. Bonsoir, madame. Ouais. Je l'adore, Didi. Bien, donc, Pierre, vous êtes une femme. Oui, d'accord. D'accord? Oui, oui. Vous êtes tellement ouvert. C'est pas faux, d'ailleurs. Vous vous appelez comment? Je m'appelle oh là là, Émilienne. Ah, ouais. Émilienne. Ouais. Émilienne. Émilienne. C'est joli, Émilienne. C'est jeune, c'est bien, ça fait brancher. Émilienne. Oui, Émilienne, c'est joli, Émilienne. Ouais. Il vous plaît, Pierre Arditi? Parle plus fort, elle est âgée quand même. C'est monstrueux. Non, c'est monstrueux. Il me donne une carte, il me donne une carte pour revenir. Mais vous êtes malade, non? Mais c'est bien, t'as un nouveau slogan, c'est monstrueux. Ça va rester, ça. C'est monstrueux. Émilienne, ah. il vous plaît, Pierre Arditi? Oh, il y a pire. Allez, ouais. c'est pas parfait, mais il y a pire. Allez. Vous trouvez pas, sérieusement? Oui. Vous trouvez pas qu'il fait un peu vieux beau, quand même, non? Ah, sûrement, oui. Ouais. En tout cas, vieux, sûrement. Beau, je sais pas, ah, mais si, vieux, beau sûrement. Aussi, oui. beau aussi. Non. Ah, si, si. Vieux, oui. Émilienne? Oui. Oui, mon grand. Est-ce que vous êtes une femme facile? Non. Non. Vous couchez quoi, le troisième soir? C'est pathétique. Alors, on peut garder celle-là. C'est pathétique, par exemple. Ça, c'est bien. Ça, oui. Est-ce que tu peux le dire face caméra? C'est pathétique. C'est pathétique. Je vais c'est bien pathétique. Regarder, oui. voilà. La lingerie, ça vous plaît, Emilienne? Ah oui. Vous avez quoi comme soutien-gorge? Elle a des gaines. Voilà. Là, j'ai un truc qui remonte un peu en balconnet, parce qu'évidemment, tout ça, ouais. comme vous l'avez très justement fait remarquer, je ne suis plus de la première ouais. jeunesse. Mais ça enfin, va, bon. Là? Oui, enfin bon. Vous n'avez pas envie de vous faire refaire les seins, Emilienne? Pas trop, non. En ce moment, c'est marrant. Contre les rides et les ridules, vous faites quoi, Émilienne?
écoutez absolument rien. De temps en temps, quand même, je me regarde dans la lave, je me dis que peut-être faudrait finir par remonter tout ça, s'enlever ses plis, puis au bout d'un moment, je me dis non. Il y a le petit garçon de la jeune femme qui a fait les magnifiques éclairages de la pièce, qui est absolument adorable, et qui a 2 ans et demi, qui ressort d'une maladie assez grave et qui revient à la vie maintenant, qui est venu sur le plateau pendant qu'on répétait. Il était absolument divin, il a sauté sur le plateau, il a commencé à sauter, et moi je faisais attention parce que j'ai toujours peur qu'il tombe. Alors il est rentré, il a dit « Ah, je l'aime bien, lui », il a dit à sa mère « Je l'aime bien », et il a dit « Le monsieur qui est un peu abîmé, c'est mon copain ». Ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça, d'Indien, c'est rien que pour ça, je ne voudrais pas me faire refaire. Vous préférez qui, Emilienne, sur ce plateau-là? C'est un endroit où on n'élimine pas, donc j'élimine pas. Mais si tu devais en virer un seul? C'est ce genre de question que tu aurais dû me poser. Tu as 30 secondes. Pas choisi Gérard pour autant. Ouais. Tu choisirais quoi, toi, si tu devais choisir? Il est malin, Joël. Ouais. C'est moi qui faut virer, bien toi, sûr. Au choix. Ouais. Pour la nuit, tu choisirais... Dès qu'il a pour la nuit, je choisirais qui? Je suis hétéro, moi. Ouais. Bah, tu vois, tu vois, je suis tu vois, mais... Je suis content. Ah, yeah. Ouais. Et maintenant... Voici Patrick Forestier. Bien. Ça va être très longtemps. Ah, la tournée ensemble. Patrick Forestier, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match. Vous avez fait de nombreux voyages en Irak depuis 1980, au début du conflit Iran-Irak, qui a fait 1 million de morts. Ensuite, en 1991, vous étiez au Koweït quand les troupes alliées sont arrivées. Vous êtes retourné en Irak pendant l'embargo, vous y étiez pendant la guerre de mars 2003 et vous publiez chez Grasset un bouquin qui s'appelle « Hôtel Palestine ». Alors, c'est un petit peu le hors-champ de la guerre d'Irak. Hein. C'est les petites histoires qui font la grande histoire, comme on dit. Il y a beaucoup de témoignages, on croise beaucoup de personnages. C'est la guerre par le petit bout de la lorgnette. Et moi, je vous laisse. Pourquoi? Merci, parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. Bon? Ouais, non, enfin... C'est aussi ça, la magie du direct. Ouais. Donc ça commence à Amman. Ça commence à Amman en Syrie. Donc Naïda Nakad de TF1 vous met en garde et vous dit: vous n'avez rien à prouver, pensez à vos enfants. Elle vous conseille de ne pas aller à Bagdad. Et vous dites: c'est mon métier, j'ai choisi, j'assume. Et c'est vrai que dès le début du bouquin, on comprend que pour vous, les grands reporters, on l'a vu avec d'autres ici, c'est un peu comme une drogue, quoi. Hein, Disons que c'est vrai, surtout au début, lorsqu'on fait ce métier, on est confronté à des situations d'urgence, des situations très fortes, et ça provoque évidemment des poussées dans la ligne. C'est mieux qu'un film, quoi. C'est clair, c'est du... On s'accroche à ça, quoi. On s'accroche à ça, et c'est aussi dangereux, en dehors du danger physique. Pour, disons, là, psychologiquement parlant, c'est aussi dangereux, parce que ça peut... disons, déformer la vision qu'on peut avoir des événements. Ouais. Il ne faut pas les voir, ces événements, pour soi. Il faut les voir pour les raconter, au noble sens du terme, aux autres. Non, ce que je veux dire, c'est qu'après, ce que je veux dire, Patrick, c'est que quand on a connu ça, quand on a connu l'adrénaline de ce genre de situation, le reste vous semble fade, quoi, c'est sûr, non? C'est vrai que parfois, ça peut arriver qu'on soit en train d'écouter des gens qui font du bruit avec leur bouche et qui... Bon, c'est pas très intéressant, quoi. On écoute par politesse. Alors, ces hôtels Palestine, en fait, c'est l'hôtel Méridien, avant, hein, c'était ça. Hein. Et le décor a abominablement vieilli, les lumières sont toutes cassées, les fauteuils sont avachis. Donc, en plus, c'est un décor un peu comme ça, très, très spooky, quoi, non? Oui, c'est un décor usé jusqu'à la trame, plutôt années 70, plutôt formica que vieux bois et vieux miroir. Non, c'est tout cassé, sale,
l'eau ne monte pas jusqu'aux derniers étages, les anciens incendies, on n'a pas dû marcher depuis belle lurette, il y a des cailloux dans les escaliers, de secours. D'ailleurs, quand on voit tout ça, lorsque les missiles tombent, on commence un peu à se poser la question. Vous êtes Patrick Forestier dans le champ 1630, avec vue sur Bagdad, la fameuse place de l'Étoile, et c'est devant l'hôtel Palestine qu'est la statue de Saddam Hussein qui a été abattue en direct à la télévision. Oui, tout à fait, oui. Il y a, l'hôtel donne à la fois sur cette fameuse place et à la fois sur le complexe présidentiel qui est bombardé jour et nuit pendant 3 semaines. Alors, vous décrivez assez précisément le régime de Saddam. Vous parlez de stalinisme à l'oriental. C'est un petit peu comme l'URSS de l'époque de Joseph Staline. Il est évident qu'au bout de 30 ans de dictature, parce que c'est un terme qu'il faut employer pour le régime de Saddam Hussein, la population était sous la coupe, elle était sous le chape de plomb. Donc, à l'intérieur de chaque ville, il y avait d'autres services secrets qui sont partout. Ouais. Donc les gens, par essence, dès qu'ils naissent, même à l'école, on apprend à dire « vive Saddam » et on ne va pas… C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que les parents, ils n'osent même pas parler devant les enfants, de peur que les mômes répètent à l'école ce qu'ils ont entendu à la maison. Donc ça, c'est une chose importante à dire. C'est-à-dire que ce régime était complètement bloqué, complètement verrouillé. On a un peu zappé rapidement quand même 30 ans de dictature. On parle beaucoup des Américains aujourd'hui, à juste titre… pas sans doute, mais il y a quand même derrière, il y a à peine 6 mois, il y avait une dictature quand même monumentale dans ce pays. Alors c'est ce que vous dites. Vous dites que finalement, ce régime de Saddam était basé sur le soupçon, la dénonciation, la torture, que tout le monde savait en fait ce qu'il en était, mais qu'en France, beaucoup d'hommes politiques, d'intellectuels, de journalistes ne prononçaient jamais le mot dictature. On dit le régime de Saddam, mais on ne dit jamais la dictature de Saddam. Il y a une espèce de collusion comme ça entre l'intelligentsia française et le régime de Saddam. Ben oui, par exemple sur les droits de l'homme, on n'a jamais beaucoup entendu, mis à part quelques-uns sur... Par exemple, une partie de la population irakienne, les Kurdes, mais sur la population, le reste de la population, les chiites, par exemple, où on a découvert des fosses communes contenant des dizaines de milliers de cadavres, il y a à peine dans 3 mois. D'ailleurs, depuis 3 mois, on n'entend plus parler de ces cadavres. Pas de commission d'enquête, pas de cour internationale ou de juge qui pourrait enquêter sur qui a tué ces gens-là, comment ça s'est passé. Tout ça est un peu, j'allais dire, mis de côté un peu rapidement. Vous dites qu'en fait, en France, il y a une propagande irakienne qui est en marche, qui fonctionne. Vous parlez d'une association qui s'appelle les Amitiés franco-irakiennes, dirigée par Gilles Munier. Enfin, maintenant, il a quitté le job. Mais c'est vrai que vous trouvez qu'en France, finalement, il y a eu une contre-information, finalement, une désinformation. Il y avait des gens qui, parfois, peut-être, surtout les derniers mois, au nom de l'anti-Bush ou de l'anti-américanisme, évidemment, c'est obligatoirement soutenir le régime Saddam. Il n'y avait pas d'alternative, malheureusement. C'est un tunnel de la pensée, cette affaire irakienne, où si on est contre Bush, ben, on soutient Saddam. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, Patrick Forestier, cet hôtel Palestine favorise l'introspection, parce qu'effectivement, vous êtes enfermé là-dedans. Mais en même temps, ce n'est pas exempt de risque. Le jeudi 20 mars, par exemple, vous êtes réveillé en sursaut par les premières bombes. La guerre commence. Inquiétude des vôtres, votre femme, Magali, le patron de votre canard, Alain Genestard, tout le monde vous dit « fais attention ». C'est vrai, ceci étant, que grâce aux bombes à laser... finalement, ce n'est pas Berlin 45, quoi. C'est-à-dire que malgré tout, même s'il y a eu des civils tués, malgré tout, les bombes sont assez précises, non? Oui, bien sûr. Les Irakiens, d'ailleurs, les premiers, s'aperçoivent que très vite, dès les premiers jours, que ces fameux missiles qui font un bruit épouvantable, qui est une force de destruction énorme, sont quand même assez précis. Ils tombent sur le palais, sur les habitations de Saddam, sur des camps militaires, sur des états-majors. Sur des bâtiments des services secrets qu'ils détestent, ce qu'on appelle les Mourabarat en arabe. Donc, ils voient très bien que c'est quand même pas forcément destiné. Ça ne va pas être Berlin. Mais quand les Américains tirent sur l'hôtel Palestine, vous êtes à la chambre 1630, il y a un obus qui explose en dessous de chez vous, à la 1503. Un caméraman éventré, un à moitié amputé. Les Américains disent c'est une bavure. Vous y croyez à ça? Ah non, ils disent
pire que ça. Ils disent que qu'il y avait des tireurs embusqués de l'hôtel, qu'ils étaient pris à partie depuis l'hôtel. Ouais. Ce qui est faux. Ouais. Ce qui est faux. Ouais. Bon, donc, alors maintenant, comment s'est passé ce matin-là? C'était donc la fin de la bataille de Bagdad qui a duré très peu de jours, qui a duré trois jours, en gros, trois, quatre jours pour le centre-ville. Bon, alors, il y avait beaucoup de tirs depuis le matin contre ces chars d'assaut américains, ces Abrams qui étaient de l'autre côté du fleuve, qui ripostaient. L'aviation était intervenue plusieurs fois dans la matinée. Tout le monde devait être très nerveux. Bon, le chef de char, le petit caporal ou le sergent qui était le char, il a donné l'ordre de tir sur un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il a tiré à 800 mètres, on a vu 120 mm dans l'hôtel. Ouais. Inadmissible, très con. Mais est-ce que les Américains, les tankistes américains, peuvent confondre une caméra avec un lance-missile? Non. 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 Non, mais pourquoi ils ont tiré sur cet hôtel? Vous êtes sûr? Non, une caméra comme ça, portable, à une distance, avec la tension, avec les tensions psychologiques qu'il y a dans ces instants-là. Non, parce que dans le char, ces Abrams sont des chars. Ils ont le télémètre avec. Ils ont un GPS, ils ont des enceintes. Mais pourquoi alors? Pourquoi? C'est incompréhensible, mais disons que là où je n'excuse pas du tout, il ne faut pas se méprendre, mais je ne pense pas que délibérément, le chef de char, dont le sergent, et appuyer sur le bouton pour tuer des journalistes. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux journalistes « calmez-vous » Bon, au contraire, ça a fait l'effet contraire. Il y a beaucoup de journalistes qui sont morts pendant cette guerre, en fait. Oui, il y a pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont morts tout court pendant cette guerre, pas seulement des journalistes. Oui, Vous voyez comment l'avenir de l'Irak... Il faut savoir que, par exemple, si les Irakiens voulaient vraiment que les Américains partent, ils seraient déjà partis. Ouais. Ce pays est composé à 60% de chiites, 20% de kurdes, donc ça fait 80% de la population qui pourrait faire partie des Américains. De la même manière, par exemple, qu'en Iran, lorsqu'il y avait 1 à 2 millions de gens dans la rue tous les jours à Téhéran, le Shah est parti. Ouais. On ne peut pas tenir. Ouais. Pour l'instant, ils ont encore une petite carte qui n'est pas très, très lourde. Ouais. Ils peuvent s'en sortir, mais je crois qu'ils auront beaucoup de mal. Non, rien. Moi, je voulais simplement vous dire, je ne pense pas qu'il y ait de bombes intelligentes. Voilà, ça, je suis même certain de ça. Elles sont très bêtes, très meurtrières, et on peut donner toutes les raisons du monde derrière ça. C'est jamais intelligent, une bombe. Jamais. Alors qu'il y ait des journalistes qui soient morts, c'est très regrettable. C'est absolument regrettable, mais d'une certaine manière, c'est un métier qu'ils ont choisi, ils prennent la responsabilité de le faire. Et d'ailleurs, souvent, ce sont des gens extrêmement responsables, pas des têtes brûlées, les journalistes. Ouais. Les journalistes des correspondants de guerre, ce n'est pas des têtes brûlées. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de gens dont on ne parle pas, qui sont morts par la même occasion, dans l'anonymat le plus total. On ne saura probablement dans des années combien de milliers ou de dizaines de milliers de gens ça a tué, irakiens. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour mourir, moi. Une dernière question, Patrick Forestier. Est-ce que vous croyez que les Américains ont acheté leur victoire? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment filé du pognon au chef de la garde républicaine pour rentrer dans Bagdad extrêmement facilement? Parce qu'il n'y a pas eu de... Tout le monde s'attendait à voir Stalingrad, ça n'a pas été le cas, quoi. Peut-être, mais je crois que ça n'a pas suffi. Je crois que le régime s'est effondré de l'intérieur. Il faut dire aussi pourquoi, parce qu'il y a eu un matraquage... des bombardiers B-52 et qui a été, fallait entendre ça, mais c'était énorme, c'était la semaine qui a précédé l'entrée des troupes dans Bagdad, les soldats étaient sous les palmeraies, croyant être plus ou moins dissimulés de l'aviation sous les palmiers, les palmeraies ont été hachés menus, donc ils ne tenaient plus, quoi. Voilà, la maîtrise du ciel a fait la différence. Je m'excuse, mais vous ne croyez pas qu'un commando bien entraîné aurait pu se débarrasser de Saddam Hussein et éviter cette guerre? Enfin, d'autres techniques... Il y a un certain nombre de dictateurs sur la planète qui s'en sont extrêmement bien sortis. On n'a jamais réussi à les dégommer comme ça, visiblement, c'est qui ça? Quand même, ils sont des spécialistes de la protection. Moujotte? Enfin, ça n'aurait rien, ça n'aurait pas réglé les... Moujotte, il s'en est bien sorti quand même. Il a fait des affaires, l'hôtel, hein? Oui, il y a beaucoup de... Même, il y a des travaux quand même. Oui, il y a des travaux à faire, croyez-moi, il y a des travaux à faire. Merci beaucoup, Patrick Forestier, Hôtel Palestine, chronique inattendue de la guerre à Bagdad, c'est publié chez Grasset. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Hôtel Palestine, Patrick Forestier, chez Grasset.
Et maintenant, voici Blondie. Bonsoir, Debbie Harry et Chris Stein, donc bonsoir, le groupe Blondie. Voilà, et aujourd'hui, le nouvel album de Debbie Harry et de Chris Stein, alias Blondie, s'appelle The Curse of Blondie, et le premier single s'appelle Good Boys. You told me you were surprised by the way the guy... Ce qui m'étonne, c'est de voir que quelqu'un, qui que ce soit d'ailleurs, puisse appuyer de quelque façon que ce soit l'effort américain en Irak. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes plutôt partisan de la position française, Chris. Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que c'est l'idée, je crois que c'est que les Américains ont peur que c'est l'euro qui va déstabiliser le dollar, et c'est la raison pour laquelle... Alors, je ne sais pas ce qu'est la position française par rapport à ça. Bien. En tous les cas, on est contents. Ah, voilà Joey Starr. Tu les aimes quand même, Blondie, non? Regarde. Question. Ouais. Elle a fait danser une génération, enfin la mienne surtout. J'ai 36 ans aujourd'hui et j'ai dansé le breakdance il y a bien longtemps. Yeah. Et je sais pas si elle... Il y a juste l'âge qu'il nous faut pour être un de nos fans. Oui. Donc bah, vous êtes au courant qu'ici vous nous avez brûlé des neurones. Non, c'est pas. Non, mais en tout cas voilà. Respect un peu. Beaucoup. Respect. Beaucoup. Total respect. Likewise. Tu veux t'asseoir avec nous là, non? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux sembler un peu? Sympa. C'est où? C'est là, regarde, c'est la promo de Louvain, regarde. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Pourquoi tu m'as pas invité à... L-A-E dans la T-I-T-I-A. Vas-y, vas-y, joue. Ouais, c'est pour Johnny, ça. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton... Hey Gérard, tu connais ça ou pas? China Girl. Bien sûr. C'est l'invité suivant. Bien, tu te mets là? Allez, viens t'asseoir. Jamais, jamais il va faire ce qu'on lui dit. Jamais. C'est un rebelle. Joey. Bien. Alors, Debbie Harry, qui m'a fait tellement fantasmer. Debbie Harry, donc vous êtes une enfant abandonnée, Debbie. C'est bien. Vous avez été adoptée à l'âge de 3 ans. Et vous n'avez jamais eu l'idée de rechercher vos parents biologiques, en fait, parce que vous dites, quand j'étais petite, si j'avais recherché mes parents biologiques, ça aurait été une insulte pour mes parents adoptifs. Oui, c'est en partie vrai. Ouais. Alors, vous arrivez donc à New York à l'âge de 20 ans, vous devenez barmaid dans la boîte très célèbre, le Max Kansas City. Vous rencontrez là Andy Warhol et puis toute la cour qui l'entourait. Et c'est là que vous commencez à vous droguer beaucoup. Olé. Quel trou du cul. Hein, Debbie. Sort of growing up, that's all. Comme ça que j'ai grandi, c'était ma façon de grandir. Et ensuite, vous partez habiter à Los Angeles avec un milliardaire pendant 2 ans.
Vous savez, le monde dans lequel j'ai choisi de vivre était un monde d'artistes. Et tout le monde faisait un petit peu de tout, touchait à tout, voulait s'essayer à tout, et j'ai eu des amants, oui. How much? Mais tu m'en avais jamais parlé du millionnaire, toi, du milliardaire. Mais... Je crois qu'à l'époque, il n'était que millionnaire et non pas milliardaire. Et Chris, vous l'avez rencontré quand alors? Quand vous êtes revenu à New York après? C'était il y a 37 ans, jour pour jour. Alors, après Heart of Glass, vous êtes un petit peu lassé des Biarritz de jouer les Lolita, et Chris tombe malade à ce moment-là. Vous avez une maladie assez rare, non? C'est quoi la maladie que vous avez eue? Le pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris, exactement. Ouais. C'est quoi cette maladie? It's similar to kuru. It's what the natives get in South America. Ça ressemble à cette maladie qui touche les natifs d'Amérique latine. C'est une maladie où vous avez des bulles qui se forment sous l'épiderme. C'est assez horrible à regarder, en fait. Et c'est dû à quoi? Au stress? Essentiellement du stress. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte par la suite, on avait fait un album par an pendant 6 ans. On était constamment en tournée. J'étais vraiment un petit peu sous pression. Ouais. Vous avez refait Blondie en quelle année? En 99? Non, en 98? Oui, oui, par là. C'était il y a longtemps. Je crois qu'on a commencé à en parler vers 97. Et puis ça a mis un petit moment à se mettre en route. Il a fallu y réfléchir, en parler. Alors, si tous ceux qui nous admirent pouvaient nous envoyer un chèque, s'il vous plaît, ce serait sympathique. Merci. Quand vous êtes revenu, Madonna, vous avez piqué un peu votre place à un moment. Ça vous embête, ça? Ben, écoutez... Oui, dans un sens, oui. Oui. Je n'avais pas vraiment le sentiment qu'on faisait la même chose, mais bon, quand même, je trouvais que j'étais plus dans le rock avec un groupe. C'était différent. Ça n'a strictement rien à voir, enfin, pour nous. Ils vous aiment beaucoup, hein, vraiment. Vous avez une cote énorme, là. Bien, ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, en tous les cas. Merci. Merci. Merci Debbie Harry, Chris Stein, le groupe Blondie, merci beaucoup. You want to paint? Yeah, yeah, do it, do it. You want to paint, yeah. Tu vois, ça va devenir un musée ici. If you want to paint, yeah, yeah, please do it, please. Oh yeah. Bon, maintenant, mesdames, messieurs, j'envoie Pierre Arditi se coucher. Oh non. Ah si, si, si. Oh non. Si, Laurent. Je propose qu'on vote. Si, Laurent. Mes enfants, soyez gentils. Non. Je propose qu'on vote. On peut plus, moi, je ne peux, j'ai plus l'âge. Pierre, les gens t'adorent. Pierre. Faut que j'aille dormir. Levez la main, les gens qui veulent que Pierre reste. Non. Pierre, tu ne peux pas leur faire ça, ces gens t'aiment. Mais c'est un an pas fait, ce mec-là. C'est l'ordure. C'est vraiment. Les gens t'adorent, Pierre. Bravo. Et maintenant, j'accueille Chelsea. Shansa, mesdames, messieurs. Bonsoir. Comment Bonsoir. Ça va? Très bien. Alors, Shansa, avant de parler de votre livre, on va parler du scandale qu'il a provoqué. Après le succès de votre roman précédent qui s'appelait La joueuse de go. Je dirais pas scandale, je dirais la passion. Oui, mais ça fait un scandale quand même là. Voilà, on est sorti. Est-ce que la passion est scandaleuse? Quand même. Donc, après votre roman précédent qui s'appelait La joueuse de go, qui a eu le Goncourt des lycéens en 2001 et qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, vous avez signé avec la maison d'édition Grasset un contrat avec 1,5 million de francs d'avaloir. Voilà. Mais le 8 avril dernier, vous rendez l'argent et vous déclarez renoncer à votre projet avec Grasset. Le 6 mai, Richard Ducousset, vice-président des éditions Albin Michel, annonce à Olivier Nora, président de Grasset, que le roman sortira chez lui. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'édition, c'est très courant, ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un contrat avec quelqu'un et aller sortir un livre chez un autre.
En général, personne ne dit rien. Hein. Ça fait partie comme ça des us et coutumes de l'édition. Vous, vous n'avez pas respecté le contrat que vous aviez signé avec les éditions Grasset. Pourquoi ? J'aurais voulu respecter parce que c'est un contrat porté sur un livre intitulé provisoirement prochain roman. Ouais. Donc j'aurais voulu faire un prochain roman ouais. dans le futur, mais il se trouve qu'il y avait un terme ouais. littéraire à discuter, c'était voilà. ce qu'est le prochain roman. Ce qu'est le prochain roman. Oui, Shansa, il y a peut-être d'autres raisons. C'est qu'Albin Michel vous a dit, tu vas être la vedette de la rentrée chez nous, chez Grasset, ils ne vont pas s'occuper de toi. Il y a Frédéric Becbédé qui sort son bouquin. Donc, tu ferais mieux de venir chez vous, chez nous, c'est possible, non? J'ai fait un livre chez Albin Michel, tout de suite après La joueuse de Go, ouais. qui est un album de mes peintures oui, de et de mes poésies. Oui, oui. Et j'ai senti très, très bien et j'ai connu le bonheur chez cet éditeur et ouais. j'ai voulu poursuivre mon travail voilà. chez eux. Alors, c'est vrai, comme je disais, que l'usage de l'édition, c'est de laisser faire dans ces cas-là. Quelqu'un veut changer d'éditeur, malgré les contrats, on ne dit rien, voilà. Mais là, voilà, il s'est passé un truc qui se passe très rarement, c'est-à-dire que les gens de chez Grasset se sont énervés et ont réclamé l'interdiction du livre. Ils ont dit, voilà, non, le livre ne pourra pas sortir chez Albin Michel. En tous les cas, vous avez été vraiment dans l'œil du cyclone, ma chère Shansa, voilà. Alors, il y a une chose, bon, maintenant c'est réglé, puisque finalement le bouquin sort chez Albin Michel et les éditeurs se sont mis d'accord entre eux. Ressort. Voilà, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Si vous êtes très, très amis avec Maître Lombard, qui est un avocat très connu, comment lui vous a pas mis en garde contre ce que vous risquiez comme ça en changeant d'éditeur malgré le contrat que vous aviez signé? Écoutez, moi je ne calcule pas dans ma vie et je suis une artiste comme ouais. tous les artistes qui sont là aujourd'hui et je crois peut-être que mon erreur justement c'est de ne pas être extrêmement procédurière ouais. et plutôt suivre mon sentiment et suivre ouais. l'écriture parce que ma préoccupation était d'écriture. Et quant à Avaloir que vous avez, ouais. vous avez tonné, je trouvais, d'abord je trouvais ça scandaleux parce que c'est plutôt un secret entre un éditeur et son auteur. Et quant à Avaloir de l'époque, à l'époque j'avais besoin d'argent. Ouais. J'avais une petite nièce qui allait naître et qui, on savait ce moment-là déjà avant sa naissance, qu'elle allait avoir un problème neurologique très grave. Donc il y a une série d'opérations à prévoir. Et j'avais besoin de m'assurer de ça et de m'assurer de sa naissance et de sa survie. Et donc, c'était sans calcul. C'était, ouais. c'était naturel de m'engager avec un éditeur sur un prochain roman que j'entendais un des prochains romans. Bien. Alors, votre livre s'appelle Impératrice. Ça se passe dans la Chine du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, votre impératrice, bah, c'est l'histoire d'une femme venue du peuple qui deviendra impératrice, et ça c'est nouveau, parce que d'habitude, on était plutôt épouse de l'empereur que impératrice, la vôtre devient vraiment impératrice. C'est une jeune femme, pas plus belle que les autres, mais qui a un physique robuste, une ambition démesurée, et qui se voit demander en mariage par l'empereur, qui s'appelle Petit Faisan. Tu me diras, c'est un nom prédestiné en même temps. Elle fait marrer sans doute. Il aurait pu s'appeler Gros Pigeon aussi, mais il s'appelle Petit Faisan. Non, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas écrites parce que j'ai respecté notre tradition chinoise. Car le prénom de l'empereur est à éviter. On ne peut pas prononcer son vrai prénom. C'est pourquoi j'ai utilisé son surnom. Petit Faisan. Qui était, qui était écrit dans les annales. Donc, j'ai respecté respecté sa dignité. En tous les cas, c'est cette fille, donc, qui est très ambitieuse, hein, arrivera à mettre la main sur Petit Faisan, et elle finira par régner sur le... Et ça marche à chaque fois. Non, mais c'est drôle. Elle finira par régner sur le plus grand empire du monde. La copine de... Petit Faisan. Les enfants. Essayez ce que c'est. Ouais. Petit Faisan. C'est l'histoire. Essaye, Pierre, juste pour toi. C'est l'histoire, Pierre. C'est l'histoire de cette jeune roturière qui finalement arrive à la tête du plus grand empire du monde. Au fait de sa gloire et de sa puissance, elle se rend compte un jour qu'elle est seule. Comme on est toujours seule. Voilà. Qu'elle est détestée et qu'elle est malheureuse. Voilà, voilà l'histoire de ce livre. Je ne crois pas. Vous dites qu'elle se rend compte qu'elle est solitaire et malheureuse, et je pense que la solitude accompagne les grands êtres.
Et la solitude accompagne tous ceux qui osent regarder dans le miroir. Petit faisant. Bien. Alors, c'est un gros bouquin. C'est un gros bouquin, Pierre. Il faudra le lire pendant les vacances. C'est un gros livre. C'est un avec livre. Un petit faisant, mais c'est un gros livre. Ne vous inquiétez pas. Je suis solidaire. Oh, Pierre, vous lui faites Pierre. Un vous, questionnaire. Vous, Bravo, maître. C'est un livre qui fait 440 pages. C'est un petit manuel de l'ambition à l'usage des jeunes filles du peuple. Voilà. Non, parce que... Alors, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un petit peu autobiographique quand même, non ? Tout roman est autobiographique. Ouais, c'est très autobiographique parce que vous-même, vous êtes très ambitieuse. Moi, oui, je suis très ambitieuse parce que je veux écrire une œuvre. Ouais. Je veux très ambitieuse. Mon oeuvre, on dit que vous êtes allée chez Alma Michel parce qu'Alma Michel, vous avez promis le Goncourt. Ah, c'est vous qui me le dites. Ouais, c'est pas vrai. Moi, je crois pas. Ouais, mais je crois pas que vous me le diriez si c'était vrai, de toute façon. Non, mais beaucoup de gens, vous savez quand même, Shansa, sérieusement, beaucoup de gens vous voient en arriviste, vous voient une sorte de Matahari un petit peu, non ? Vous savez ça, vous avez une réputation un peu d'intrigante. Moi, je me regarde dans le miroir et... Ouais. Et je pense à écrire. Mmh. Et je n'aime pas mon visage, mais j'aime ma vie. Et je trouve que j'ai une vie difficile, passionnante, et je suis mal comprise. Mais comme vous avez dit, ma vie est solitaire. Ouais. Et j'ai mon écriture. Mmh. Et c'est pour ça que je vis, et tout le reste ne compte pas. Non mais, quand je dis une intrigante, c'est peut-être un peu trop, mais... Vous tissez des réseaux quand vous faites vos calligraphies. Vous les vendez à Betty Lagardère, vous les vendez à Vincent Bolloré, vous branchez avec des milliardaires. Enfin, vous êtes, mais c'est bien, c'est pas un reproche, je veux dire, par là, c'est pas... Mais vous êtes quand même très, très intrigante, très ambitieuse, un petit peu comme votre héroïne. Mais moi, j'ai des amis et j'ai des collectionneurs qui aiment ce que je fais, qui ouais. est un art très intellectuel, très épuré. C'est une calligraphie qui est une quête spirituelle. Je n'intrigue pas pour eux, je ne ouais. fais pas porte à porte. Mm. Et peut-être c'est ça qui est intriguant, justement. Mm. Non, mais François Nourricier, par exemple, qui est quand même un des papes de l'édition française, vous trouve énigmatique. Il s'interroge, François Nourricier, sur votre arrivée en France en 90, votre français parfait. C'est vrai que vous êtes arrivé en France en 90, 2 ans après, vous aviez un bac de lettres et de philosophie. C'est vrai que c'était un peu surprenant quand même pour nous de voir ça. Ouais, c'est-à-dire qu'elle n'est peut-être pas complètement con, quoi, non plus. Non, c'est en ça. En deux ans, hey, quand t'arrives de Chine... Bah, elle est brillante. Tiananmen, voilà, elle quitte la Chine en 90 à cause de Tiananmen. C'est pas une tare. Deux ans après, elle a un bac français philo. C'est formidable, tout le monde devrait se lever pour applaudir quelqu'un d'aussi brillant. La même année, elle passe le permis poids lourd. Mais vous savez bien que, en fait, j'ai pas mon permis tout le monde, à un moment donné, fait quelque chose pour être regardé par les autres. Ouais. On s'est aussi posé beaucoup de questions sur la nature de votre travail auprès du peintre Balthus. Quel était votre travail exact auprès du peintre Balthus et de sa femme ? Balthus m'a pris sous sa protection et je faisais du travail un peu... C'était ma famille adoptive en Europe. Mmh. Et hormis, c'est ma meilleure amie, c'est aussi une sœur. J'étais chez lui pour écrire mon premier roman. Mmh. Donc j'écrivais l'après-midi et la soirée. Et le matin, je prenais le téléphone, je rédigeais les courriers, je triais un peu les documents. Et à l'époque, Calimard faisait le catalogue raisonné de Balthus. Mmh. Donc, j'étais à comparer les photos, à classer les tableaux. C'était passionnant. C'était un tournant dans ma vie. Alors, bon, voilà, à part ça, le livre est très agréable à lire. Je vous le conseille, mon cher ami. Vous allez voir, il y a une relation sadomaso entre... Ah, entre ah, ah ben oui. T'as vu, t'as dit entre, fait de rester. Hein. Non, j'ai eu peur qu'à un moment donné, entre la future impératrice et puis la concubine de l'empereur, une relation très, très chaude. Parce que j'ai voulu savoir dans cet univers, dans cette cité interdite, ouais. où il y a 10 000 femmes, en plus 5 000 eunuques vivant enfermés dans cet espace étroit, tout pour le plaisir d'un seul homme, ouais. et quelle est là... La relation entre les femmes, le désespoir, la jalousie et l'amour entre les femmes. Parce qu'il faut quand même qu'elles vivent, qu'elles trouvent du plaisir à vivre. Donc je suis rentrée dans cet univers et j'ai découvert l'horreur et le délice
d'y être. Et à la fin, donc, évidemment, elle est très âgée, elle a tout ce pouvoir, elle règne sur tout comme ça. Le plus grand empire sous le ciel, en voilà, fait. Voilà, et donc elle est là à la tête de tout ça. Et elle a 60 ans, et elle découvre que les hommes aussi peuvent donner du plaisir. Avec donc un elle jeune... prend deux amants voilà, en même temps. Voilà, elle a deux amants, donc voilà. C'est passionnant, cette partie-là. Donc vraiment, c'est... Pierre, est-ce que vous pouvez montrer le livre à la caméra pendant que j'envoie le jingle? Bien sûr. Alors où? Celle-là? Ouais, attention. Voilà. J'aime ça, impératrice. C'est chez Alba Michel, mesdames et messieurs. Très bien. Tu fais ça très bien, Pierre. Et maintenant, tout le monde en rêve avec Kamel. Ça va, on vivait bien. Chaque semaine, un newcomer, donc à quelques minutes dans cette émission, pour tenter sa chance. Vas-y, Kamel. Voilà, paraît-il que je suis magicien. Donc, ce qu'on va faire, on va imaginer un jeu de cartes invisible dans les airs. On prend le jeu de cartes invisible. Ouais. On prend le. Voilà, vous sortez de là-dessus. Voilà, exactement. Voilà. Comme ça, voilà. Très bien. Hop. Vous me donnez le jeu de cartes. Je vous donne le jeu de cartes. Voilà. C'est donc ici. Non, ça non c'est là. Ici. Voilà. D'accord. C'est très bien. On va demander à Monsieur Louvain, s'il vous plaît, vous mélanger. Très bien. Il fait bien. Voilà. Ça va, vous avez fait tomber une carte, vous. Ok, c'est pas grave. Merci bien. Ce qu'on va faire, on va aller de l'autre côté, tu veux mélanger rapidement. Ok, faut éviter. Merci bien. Ce que vous allez faire, vous allez prendre une carte, s'il vous plaît, invisiblement, vous la regardez. Doucement, lentement, quand vous parlez à Julie. Prenez une carte. D'accord. Qui vit aux États-Unis. C'est pas facile. Ça vous plaît la carte? Oui. D'accord, vous la montrez à tous vos amis. Je ferme les yeux. C'est fait? Ouais. Ok. Oui, pardon. Moi, vous ne la montrez pas? Non. Vous avez raison. Vous la mettez à l'envers dans le jeu. C'est très important de la mettre à l'envers. Retournez la carte. C'est-à-dire vous... Ah, d'accord. Voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. Vous prenez le jeu de cartes. Vous remélangez une dernière fois. Merci bien. On prend le jeu. On va le donner à M. Arditi, s'il vous plaît. Vous prenez le jeu de cartes. Oui, alors je l'ai pris. Voilà, oui. Et vous le remettez dans l'étui. Et je le remets dans l'étui. Voilà. Qui est ici? Exactement. Voilà, merci bien. Un peu l'applaudir. Merci bien. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord. Donc tout le monde est d'accord que nous avons un jeu de cartes invisible avec une carte qui est à l'envers, la carte de Madame Delpy. D'accord? On prend le jeu de cartes et nous autres dans les airs. Et là, en principe, dans ma poche, Wiz, il y a un jeu de cartes qui se matérialise. Merci bien. On va essayer de faire encore plus fort. Vous avez bien pris une carte, vous l'avez montré à tout le monde, sauf à moi. On n'est pas complices. Non. On ne sait pas. Ça, d'accord, ok. Je ne vois même pas ce que tu dis. D'accord. Donc, on n'est pas complices. On n'est pas complices. D'accord. À quelle carte aviez-vous pensé? Valet de cœur. Valet de cœur. Est-ce que vous voulez changer? Non. C'est comme qu'est-ce vous qui t'arrangerait, toi, personnellement? Moi, c'est comme elle veut. Valet de cœur. Vous n'allez pas le croire, mais cette scène, je l'ai rêvée cette nuit. Donc, juste avant de venir, vous êtes bien malin. Malin comme je suis, ce que j'ai fait, j'ai pris une carte. Le valet de cœur, c'est ça? Valet de cœur. Attention. Ah. Vous n'allez pas le croire, mais si on fait tout doucement les cartes, tu sors le valet de cœur et on va se coucher. Une seule qui s'est retournée, ça s'agit effectivement exactement du valet de cœur. Ouais. Merci. Pas mal. Allez, Oli. Merci beaucoup, Kamel. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bravo. Et maintenant, on passe au blind test. Chaque semaine, le blind test sera préparé par un DJ différent. Ce soir, j'accueille Cat Killer. Alors le principe reste le même, Cut Killer ou pas Cut Killer, je veux le nom de l'interprète. Vous êtes prêts, Joey Star? Didier. Attention, je veux l'interprète. Vous êtes prêts, Arditi? Oui. Je veux l'interprète, Cut Killer au platine, numéro 1. Janet Jackson. L'interprète ici. Oh, je connais ça. L'interprète. Lizzie Jones. Merci Sled. Non, je t'en souffle pas. Non. Laurent.
Je l'ai mis en boîte quand j'étais dit, c'est Mrs. Connerie. Jones. Qui c'est? Je sais plus qui c'est. Non. Mrs. Jones, Red Charles. Non. Mrs. Jones. Ah putain. Ah Billy Paul. Me and Mrs. Jones. We got a thing. Très bien, merci. Numéro 4. Rodney MC. Ouais. Avec qui Aerosmith. Bravo, Joey Starr. Numéro 5. C'est qui? YouTube, bravo. Oh le tricheur. On continue. Le pire, c'est que ça, on le connaît tous en plus. Hein. Tout le monde connaît ça. Hein. Elle a dit avant. C'est Julie Delpy qui l'a dit avant. D'accord. Ça fait un point pour cette équipe et quatre points pour celle-là. Très bien, maintenant on passe au Super Banco. Il est pour nous. Ouais. Il est pour nous. Elle est pour vous, là. Elle l'a dit avant. Super Banco, c'est chacun pour sa gueule. Attention, Cut Killer. J'ai Veta Style. Bravo! Et voilà, J'ai Veta Style, la musique de Bagdad Café, voilà. Donc personne n'a trouvé, attention, maintenant celui ou celle qui va trouver le méga banco aura gagné le blind test. Attention, Cut Killer. C'est Joey Starr qui est le grand vainqueur du ce blind test spécial Cut Killer. Merci Cut Killer. C'était Tout le monde en parle avec Laurent Baffi, Johnny Hallyday. Cette discothèque ouvre le 1er octobre auprès de la tour Montparnasse. Voilà. Son nouvel album s'appelle À la vie et à la mort. Le single s'appelle Je n'ai jamais pleuré et ça sort le 28 octobre. Album et DVD live au Parc des Princes 2003, sorti le 4 novembre. Johnny Hallyday en tournée jusqu'à fin 2003 et les 15, 16 et 20 décembre à Paris-Bercy. Jean-Jacques Debout, la compilation s'appelle Les Enfants du Paradis. Julie Delpy, l'album s'appelle Julie Delpy. Elle est en tournée, festival itinérant La Nouvelle Scène sur un plateau jusqu'à fin novembre. Et le 17 et le 18 novembre à la Maroquinerie de Paris, voilà. Joey Starr, Joey Starr, double DVD VHS, Who is the Boss, Pierre Arditi. La pièce s'appelle Mathilde avec Pierre Arditi.
Ariane Ascaride au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 2 novembre et une leçon de savoir-vivre par Pierre Arditi au Théâtre du Rond-Point du 7 octobre au 1er novembre à 18h30. Plus la soirée Cuba Si Castrono au Théâtre du Rond-Point lundi 29 septembre à 20h30 au profit du reporter sans frontières Patrick Forestier qui nous a quittés. Hôtel Palestine, chronique inattendue de la guerre à Bagdad. C'est chez Grasset, Gérard Louvain. Pour les demoiselles de Rochefort, la chanson des jumelles au Palais des Congrès. Voilà, c'est à partir de quand ça en ce moment, demoiselles de Rochefort. Chansa, impératrice, et Albin Michel, merci. Blondie, l'album s'appelle The Curse of Blondie. Ça sort le 6 octobre et le 5 novembre au Casino de Paris. Blondie, voilà. Tout le monde en rêve. C'était Kamel. Merci Kamel. Au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Tout le monde en parle. Merci de votre fidélité. Allez, allez, cut. Le Queen. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.